RadioPirate.com. No commercials. No limits. No rules. RadioPirate.com. Bomb bomb. OK, bon lundi, après un super week-end. Avoue que ça fait du bien, mon ami Jerry. Ça a fait du bien, certain. Est-ce que Mr. White a fait beaucoup de vélo en fin de semaine? Oh, je pense qu'il est avec l'autre paire d'écouteurs. Donc, euh, dans ce temps-là. J'en il... suis convaincu. Yes, yes. Hey, euh, question pour. Euh, tiens, euh, question. Tu me dis tantôt, là, là euh, c'est notre dernière semaine complète de juin. Nous on prend un break en juillet, on revient le 7 août donc on finit à la fête du Canada le 29. Exactement parce que le 30 c'est congé le là, 30 la fête du, du Canada. C'est ça. Exact. Dernière euh, journée le 29 jeudi le 29. C'est ça. Donc euh, on va aller recharger les batteries, puis je pense que tout le monde va être content de. Puis là ben veut veut pas le mois de juin. C'est habituellement un mois un peu plus garden party. Tu me l'as dit tantôt, tu l'as. Euh, se là, pas. je me sens plus garden. C'est ça. Donc, dernière semaine complète. Les deux dernières après, c'est des semaines de Péquis. Parce qu'on est en congé vendredi de la Saint-Jean. Puis on est en congé le vendredi de la fête du Canada. Donc, ça va pas assez vite. Ça va débouler quand même assez vite. Donc, tu me dis, là, on est en, on va être en mode euh, on va être en mode plus tranquille un peu. Je vois, ouais, ouais, ouais j'ajoute ça, ça. Donc, allons-y avec des euh, sujets du mois de juin. Voici le premier sujet du jour sur Radio Pirate Live. Comment faire pour savoir si quelqu'un a un gros pénis? Je te le dis tout de suite, ça n'a pas rapport avec la grandeur de ses pieds. Il faut que tu te réfères à ce qu'on appelle l'indice de Manning. Encore une fois, ce que je vais te dire, c'est basé sur la science. OK, je te montre comment faire. Ça a rapport avec les doigts. Si l'index d'une personne est plus court que son annulaire. Son... OK, t'as vu? L'index d'une personne est plus court que son annulaire. OK. Si l'index d'une personne mmh. sont plus courts que l'annulaire. Donc l'index c'est le doigt à côté du pouce. C'est ça Et après ça tu as le majeur et tu as l'annulaire. OK Donc si, si il est plus court, s'il si est plus court, c'est que tu un, un gros pénis. Ben en tout cas, je pense c'est ce que va dire. Mon pénis sera plus grand. Et au contraire, si l'index et l'annulaire ont tendance à être de la même grandeur, le pénis aura tendance à être plus petit. L'explication scientifique derrière ça, ce serait la conséquence du taux d'exposition prénatale aux androgènes. Ça aurait une incidence sur le développement des membres dont les doigts, les orteils et le système génital. Bon. Voilà. Donc, faisons le test. On fait le test. Moi, j'ai fait le test. Hé, hey, euh, écoute, Mr. White, est là. Euh, moi, je dire, te disais qu'ils sont quasiment égales. Donc là, je suis un peu moi, mal. Moi aussi, je suis égal. Moi, moi, ben, moi et tout. Mais ben, oui, mais là, je demande à tout le monde. Moi, c'est mon petit doigt qui est plus grand que tout le reste. Ça veut dire quoi? Non, hein? ben, un <laughs> petit doigt plus long que le reste? C'est bizarre, là. Mais sérieux, si je me fie à ce que j'ai regardé en fin de semaine, <laughs> des grosses queues, il y en a pas. Si je me fie à ce qu'elle a dit, c'est qui elle? Elle, euh, je ne connais pas. C'est une influenceuse. Euh, ouais, c'est une influenceuse. C'est une belle fille Elle n'a pas peur de jaser des, 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 des sujets le fun. Mais, mais il... tu regardé les mains de, des ben, gens. J'ai en fait, fait des tests. Ok. J'ai fait des tests et je voulais te dire que c'est pas mal. On est pas mal tous pareils. Ouais. Tu sais, on est notre, euh, c est, c est, ça c'est l'index. La, l'index. L'annulaire est là. Donc euh, habituellement l'index hmm. est un peu plus petit que l'annulaire, une petite affaire, peut-être un millimètre ou deux. Mais en général, c'est mmh. pas mal ça tout le temps. Donc, on a tous des petits pénis là. Ben là, si je me fie à elle, on a tous des petites queues. Là. Donc, euh, <laughs> regarde. Euh, Mais je moi, je sais. pense que c'est plus des pénis normaux. Je pense que c'est ça qu'elle veut dire. Ouais, ok. donc pour elle, petit pénis, ce serait le genre de pénis plus normal. normal. Là. Si là, si ton index est plus court, là vraiment tu as un gros pénis. Mmh. Ok, 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 ok. Donc, euh, c'est un peu comme chercher des trèfles à quatre feuilles. Donc, beaucoup de trèfle à trois feuilles de ce que j'ai pu voir de mon étude qui a été faite ce week-end. Le seul que j'ai trouvé, c'est Tiger. Et Tiger, j'avoue que Tiger, pour un petit chien de cette grosseur-là, est quand même assez. Il est bien organisé. Il est vraiment assez bien équipé. juste... Je sais très bien. En fin de semaine, on a parlé dans le Prime. Ça vous tente de vous joindre à nous autres. On a fait un deux heures et demie, un peu plus que deux heures et demie ce matin. Très sympathique avec beaucoup de monde. Delis de Beautiful était là. Yann Sénéchal qui va être avec nous dans le prochain quart d'heure était là à la fin. On a jasé toutes sortes de sujets, sujets le fun. Ce n'était pas, pas les mêmes sujets qu'on va jaser plus tard. Euh, mais en tout cas, tout ça pour dire qu'on a jasé de sport pas mal parce qu'il est arrivé en fin de semaine une offre Un, l'Omnium canadien, que certains appellent le Toronto, c'est le Canadian Open, que plusieurs appellent le Toronto Open parce que le tournoi est toujours à Toronto. Une semaine avant le US Open, c'est pas la meilleure place pour le placer dans la grille, mais quand même. Les fans de Toronto sont là, sont très bruyants. Un des plus belles crowds de, de, de golf que vous ne pouvez pas avoir. Et on avait beaucoup de Canadiens, on avait beaucoup de Canadiens présents, minimum canadien, bien sûr. Donc, euh, Connors était là. Mike Weir, même si c'était un bonhomme maintenant, Mike joue du très, très bon golf. Fait la coupure en fin de semaine, a joué moins deux, finit top 50. Donc, très bon pour Mike. Euh, Edwin a joué aussi. Ensuite, euh, on avait euh, Mackenzie Hughes. On a beaucoup de joueurs au Canada en ce moment qui sont top niveau. À cause de Mike Weir, qui a, qui a remporté le Masters il y a plusieurs années. Et Mike a poussé, ça l'a fait, fait des petits cette là Et on se remonte avec une qualité de joueur extraordinaire. Et l'autre qu'on ou, qu oublie, mais qui était là, parce que hier, on, samedi, on disait hey, peut-être que Connors a une chance de gagner le premier million canadien par un Canadien depuis 59 ans, mais on n'avait pas vu que Nick Taylor était sur le bord aussi et hier, il a connu une grosse ronde. Et Nick Taylor a battu euh, l'Irlandais euh, Fleetwood, donc, euh, qui est un excellent joueur de golf que j'ai suivi euh, au Honda Classic il y a quelques années. Excellent joueur de golf, incroyable. Shot, euh, garde, extraordinaire. Et là, ben, ils ont eu quatre trous de prolongation et euh, Nick Taylor, le Canadien, a calé un pot de 72 pieds pour battre l'Irlandais. C'était crazy, crazy. Donc là, tous les joueurs. Européens était là pour, euh, pour Fleetwood parce qu'il voulait que Fleetwood gagne. Et là, tu avais tous les joueurs canadiens en Audi parce qu'ils venaient mmh. de finir de leur ronde. Ils avaient pris leur douche, euh, leur, leur petit Audi Même Mike Weir avait une bière dans les mains. Donc, vu, les... Mais j'ai vu la statistique. depuis euh, Ça faisait depuis 1954 mmh. que euh, la dernière victoire d'un Canadien, c'était en 1954. Mike Weir a manqué déjà gagné. Je suis sûr qu'il avait déjà gagné. Non, il avait perdu contre Vijay Singh, mmh. En prolongation il y a quelques okay. années. Donc, euh, et, et là, ben quand, le, quand les gars sont venus complètement fous, la foule était en délire, c'était une, une atmosphère de match d'hockey carrément. Et Edwin qui s'en vient avec le moite et chandon. <laughs> non, ça, c'est incroyable comme vidéo. Ah ben non, ça, c'est le vidéo du week-end. Tout le monde a capoté. C'est arrivé hier soir, quoi, à quoi, aux de 7 h. Et mon Edwin qui arrive avec le moitié chandon, la bouteille ouverte, la ouais ça se plage de partout. Et là, il y a un gars de sécurité qui capote. Vous savez, on est au Canada, là, on, euh, ça prend beaucoup de sécurité. Canada, c'est égal sécurité. Et là, il y a un, un gardien de sécurité. Il est gros, là. puis Edwin n'est pas bien gros. Il est en J'ai dit, Christophe, il est mort. Puis en plus que c'est les US Open cette semaine, j'ai dit, Christy, il ne pourra pas. Il doit être commotion cérébrale. Mais non, il s'est relevé. Les gars sont entendus, mais la vidéo était Et Il y a plein d'angles. Hein. La beauté avec les téléphones aujourd'hui, il y a plein, plein d'angles. C'est débile, débile, débile de regarder. Et l'autre affaire de oui, les Panthers ont perdu. Euh, Vegas risque de remporter euh, rapidement la Coupe Stanley. Superbe équipe de hockey. Marchesso pour moi, c'est euh, le MVP. Je sais qu'il va y avoir un, un débat sur euh, qui de, doit l'être, le goaler un peu surprise de Vegas. En tout cas, pour moi, euh, le gars de, de notre gars de Québec ici, Marchesso, est, est extraordinaire. Donc, pour moi, jusqu'à maintenant, ça peut pas dire que c'est fini. It's not over until, until it's over. Mais euh, si ça se termine mardi ou encore jeudi, puis que finalement, Vegas gagne, euh, Marchesso doit être considéré comme étant le clutch player de ces playoffs-là. En tout cas, dans mon cœur, à moi, elle le mérite. Euh, mais l'autre affaire que j'ai aimé c'est la patente de tennis. Je ne suis pas un expert de tennis. Mm. Régent Tremblay mm. en est un. Régent. Mm. Régent avant d'avoir été... Régent maintenant son dada c'est la boxe, vous savez. Euh, avant son dada, oui il suivait le hockey, oui il suivait le baseball, oui il suivait Jacques Villeneuve, oui il a suivi Gilles Villeneuve, mais son dada à Régent c'était Le tennis. Le tennis. Mm -hmm. Et Régent a couvert les plus grands du tennis. OK? Et j'ai trouvé j'ai tru... couvert euh, j'ai vu Bourne, j'ai euh, Borg, j'ai vu euh, Connor, j'ai McEnroe. vu McEnroe. McEnroe. Il y en a vu, là. Ah. C'est euh, l'autre, l'Allemand, qui a fini en prison pour des raisons d'impôts. Euh... Ben, euh, Boris Becker. Boris oui. Becker. Boum, boum. Pete Sampras. Pete Sampras. Mm. Mais il dit le plus grand, c'est lui qui a gagné le Roland Garros en fin de semaine. Mm. Djokovic. Le Joker. Le Joker. Le Joker. C'est le plus grand. C'est le 23e mm. tournoi euh, majeur. Donc, 23e victoire, c'est énorme. C'est le record, en fin de compte. Et mmh. c'est un gars qui n'a pas de vaccin. Mmh. Il n'est pas vacciné. Ouais, ça fait jaser. Puis, il a plusieurs. jours jour au lendemain, mmh. le gars qui était aimé par plusieurs. Ah, oh, lui, c'est un cave. Lui, c'est un gars idiot. Lui, c'est un pas intelligent. Oui. Voyons, comment. n'est pas éduqué. Non, ben, elle pas éduqué. J'ai lu ça. Oui. C'est quoi l'histoire que maintenant, y a... on a classé les gens. Les gens qui se sont fait vacciner et ceux qu'on a su publiquement. Bon, il y a plein de monde qui ont été vaccinés. Mais je veux dire, dans les, dans les stars. Là, mais avec tout ce qu'on sait aujourd'hui du vaccin, ben il oui. oh, mm. y en a qui sont encore là. là. Parce que Régent a mis un affaire dans son, dans son euh, Facebook personnel. Mm. Puis il y a quelqu'un, Ricky D., l'ancienne ancienne vedette de la radio FM pendant longtemps à CKMF. Bon, écoute, c'est un DJ. C'est pas, euh, pas, pas, qui... pas un prof d'université. Mais il, il doit son opinion comme tout le monde. Mais il dit Ouais, mais avant tout, c'est un méga idiot. Mais OK, ouais, ouais c'est vrai que c'est un bon joueur un C'est le, le genre de message. « Hey, comment ?» Les vaccins... Euh, de vous dire que les gens plus jeunes qui ont pas pris le vaccin, c'est probablement ceux qui avaient raison pas mal. Là. Oui, c'est ça. Là. Au départ, là, la majorité ont pris le vaccin. En bas de 50 ans, les gens qui ont pris le vaccin, c'était pour former la gueule du monde, on voulait voyager. Là. Le reste, là, regarde, c'était... Euh, euh, je le fais pour telle et telle raison. Je l'ai mais... fait pour ça, moi. ben c'est ouais. sûr. puisque je voulais aller en Espagne. Hmm. Sinon... Euh, Qu'est-ce que tu veux? Puis tu le fais aussi pour ta job. Beaucoup de monde se sont fait vacciner pour garder leur job. C'est triste quand tu penses à ça. Là. Moi, j'ai toujours dit, tout le long, soignons les vieux, occupons-nous des vieux, mmh. faisons la même chose qu'avec la grippe saisonnière, avec l'influenza, faisons la même affaire. Crissons patience aux enfants. Hey, écoute, je me suis fait ramasser dans la presse pour avoir dit ça. Là. Voilà. Et les gens en bas de 50 ans, c'est sûr. Je le disais. Rappelle-toi. Je disais, c'est sûr que si vous avez 36 ans, vous faites euh, vous êtes en mauvaise shape, vous êtes 200 livres overweight, vous êtes asthmatique, vous, êtes asthmatique, vous avez des problèmes de ci, des problèmes de ça, vous, vous, avez, vous êtes à risque. Mais mm. ben là, vous prendrez la décision vous-même d'y aller ou pas y aller. Mais tous ceux qui ont pris le vaccin en bas de 50 ans en santé, c'est une des pires arnaques financières que n'y On On a été manipulés pour que ça brasse de l'argent. Il, il y a des kickbacks de partout de ça. Là. Les compagnies pharmaceutiques ont fait du cash à peu finir. Mais vous êtes, je peux vous garantir une affaire, c'est que pour nous avoir poussé à prendre ces affaires-là, et qu'ils ont payé gros prix, d'ailleurs, sont où toutes ces, euh, ces seringues-là, bien ben, pleines de stuff? D'après moi, en sont dans les poubelles quelque part. Il y a des milliards, des centaines de milliards qui ont euh, volé partout. Le milieu pharmaceutique, c'est très bien, depuis que le milieu existe. Comment récompenser ceux qui... Euh, vont euh, utiliser ou encore vont vous pousser à prendre tel ou tel produit. C'est un milieu qui sait exactement comment faire. Plein de monde, probablement des hauts fonctionnaires, probablement une couple de politicos à travers le monde, des gens de, du, de, la, de la patente de l'Organisation mondiale de la santé, un paquet de monde ont eu un kickback des compagnies pharmaceutiques pour que finalement des gens de 50 ans et moins aient quelque chose qu'ils n'avaient zéro besoin. Le temps donne raison au Djakovic de ce monde, au Joker. Il y en avait zéro besoin. Personne n'en avait besoin. Et encore en fin de semaine, on a eu d'autres morts de manière subite de gens de 50 ans, de 45 ans. Crise de cœur, des gens très en santé. Très crazy ce qui se passe. Donc, euh, mettez ça de côté. là. On, soyons gênés qu'on n'ait pas eu le meilleur joueur au monde dans ces gros tournois-là ben, pendant deux ans. Donc, ben voyons donc. Djakovic se comporte comme un saut Irresponsable et prétentieux. Qui dit ça? Ça, c'est Mario Dumont qui a dit ça l'année passée. Imagine-toi, toi. Mais c'est comme si Djokovic était un gars hyper baveux puis un gars hautain. C'est pas ça du tout dans sa vie, là. C'est pas ça du tout, du tout dans Non, c'est un gars bien tranquille, là. Ben oui. Mais euh, la face c'est que Djokovic, il est, euh, est serbe, lui? Oui. OK, oui, 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 oui. Okay. Puis les Serbes, c'est des... Les Serbes... C'est des alliés des Russes. Ah oui, on mélange beaucoup de ouais, choses. Ouais. Ouais, ouais. Quand ouais, tu travailles ouais, l'histoire, ouais, ouais. Jeff, là, c'est ouais. même que tu vas les comprendre. C'est ça la patente. C'est ça la patente. La pas vacciné et Serbe. Serbe. En tout cas. Ça regarde, aide pas. Je connais pas ça. Je sais que tu suis plus le tennis que moi, je connais zéro ça, mais Régent, je sais que Régent, avant la boxe, c'était un maniaque de tennis. Donc, ça mmh. un peu. Lui, euh, il a dit regarde, le plus grand de tous les temps, c'est lui. Et il a mmh. gagné Roland Garros hier. Donc, euh, bravo. Hé, hey, on va faire une pause. On vient dans un instant. Après, c'est Yann Sénéchal avec nous autres. On a la boîte à Jerry. Et Vince va venir faire un tour ici même sur Radio Pirate Live. Radio Pirate. Radio Pirate. Radio Pirate. Ah, mes chers auditeurs. Radio Pirate. La boîte à Jerry après. On a Vince également qui va faire un tour jaser de sports un peu. Donc, Vince dans le dernier bloc de Radio Pirate Live. Mais pour l'instant, c'est le temps de jaser avec notre chum Yann Sénéchal après un super beau week-end de météo. Petite affaire à jaser avec mon chum Yann. Tu à saluer, Yann. Je veux juste. Euh, euh, D'abord, euh, je, 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 je sais qu'ils vont essayer d'étirer la patente, là mais euh, euh, très de, de très mauvaise foi, tout ce qui s'est passé au cours de la dernière semaine, de, de prendre des situations avec des, des feux qui menaçaient des, des populations, des gens pour vrai, et d'essayer de jouer avec ça alors que, de toute évidence, peu importe ce qu'on cherche, c'est très facile à trouver, tout le data, toutes les explications, incluant celle de Sopfeu qui dit Non, non, ne mélangez pas les choses. Ce qui arrive là n'a pas de lien. » A on des... avait un, un éclipse de, de, de la pandémie un peu. Hein. Oui, oui, c'était un peu ça. C'était les complotistes qui étaient sortis d'un bord et qui disaient les feux sont volontaires. Puis de l'autre bord, tu avais ceux-là qui disaient c'est le changement climatique. Tu étais au milieu de ça puis tu te dis Oui, il me semble, les feux de forêt, on est habitués, on sait ce qui se passe un peu, puis on connaît les enjeux. Je veux dire, ce pas, pas un phénomène qui n'arrive pas à tous les ans au Québec. Là. Au contraire, là, on sait un peu c'est quoi les enjeux. Mais là, on se sent vraiment. Coudain, voulez vous voulez-vous jouer le 8 à tout prix, à tout bout de champ là? Oui. On peut-tu sortir de ce mode-là un peu? Là, ben, ils veulent pas vraiment. Sérieux, ils oh. veulent. Ça, ça semble. Euh, je ne sais pas c'est quoi le principe de la patente. Là. Je ne sais pas, euh, pas c'est quoi leur intention. Il y a des bouts dans leur histoire qui me manquent. Peut euh, c'est peut-être une, une poignée qu'ils ont pour essayer d'avoir un peu d'intérêt. Je ne sais pas c'est quoi l'affaire, mais moi, je suis vraiment de l'équipe de France gagnant. France oh. Gagnon, je ne la connais pas personnellement. Euh, j'aime beaucoup. Je, je sais que c'est une ancienne haut fonctionnaire du gouvernement. Mais moi, j'aime ce genre de, de personne éduquée qui euh, écrit bien, qui a des bonnes réflexions. En fait, France, j'aimerais ça qu'elle soit ma mère. Euh, je, je, je trouve qu'elle est balancée. Euh, tu vois qu'elle a été dans la gang. Tu vois qu'elle comprend pas mal de choses que nous autres, on suspecte car mais elle, elle le sait parce qu'elle l'a vécu. Mais j'aime son côté modéré, puis j'aime sa clairvoyance. Je vais, je vais lire son tweet. Là. Il y a des nouveaux tweets là, de je ne sais pas combien de, de lignes on peut faire. C'est une affaire que je n'ai pas saisie encore. Là, mais, euh, elle dit, je ne suis pas spécialiste du climat, pas plus que je l'étais de la COVID, mais une chose dont je suis certaine, c'est qu'au Québec, il n'y a toujours qu'une seule version, idée. Mise de l'avant par les militants, rediffusée par les médias et gobée par la majorité. Ça, à la date, c'est une très bonne ouverture. Là. Le contrepoids que devraient amener les médias et dont c'est le rôle a complètement disparu. La plupart d'entre eux euh, et elles sont devenus des militants et militantes sur couverture journalistique. Les médias, qui aiment bien se définir comme, comme le quatrième pouvoir, ont abandonné ce rôle au profit du militantisme, et ça, pour moi, c'est grave. Les conséquences, un vote en banc de poissons, tout le monde va dans le même sens, des accros du pouvoir à la liberté d'expression, une importante perte de crédibilité des médias que l'on constate sondage après sondage. Les journalistes vont prétendre que c'est le manque de temps qui les empêche de faire des recherches, en partie vrai que les patrons de presse ont serré la vis au fil des années sous prétexte d'un manque d'argent dû au GAFA, mais les premiers responsables ce sont les journalistes qui choisissent de militer au lieu d'informer. Autrement dit, la facilité. J'adore. J'adore ah, ce... — C'est vraiment... J'adore. C'est... On le dit souvent, nous autres, on est là, mais là, ça vient de quelqu'un, et je la trouve très intéressante, je l'aime beaucoup sur Twitter, France Gagnon, pour les gens qui la connaissent pas, là. France Gagnon, F Gagnon 5, pour les gens qui veulent la suivre. Je pense que à peu près tous les pirates l'aiment puis la suivent déjà. Mais c'est plus ça que... Du monde qui vont mettre des images de feu qui, qui allument tout en même temps. Là. Ben oui. le, le monde en général qui challenge ce qui se passe dans les médias et au gouvernement, nous autres, on est étiqueté pirates, pas de génie, conspire etc. La réalité, c'est qu'on est, qu est beaucoup, beaucoup. En fait, on est on est comme France. Ben oui. oui. Et... La, la position modérée est devenue extrême dans la tête de tout le monde. Oui. En fait, les deux extrêmes nous traitent d'extrêmes. Oui. oui. <laughs> c'est ça qui est, débile, qui est débile un peu. Mané, t'es là, tu te dis. Mais c'est parce que c'est ce que l'enfleur verbal amène tout le temps. Puis le refus de penser par soi-même, le refus de, de prendre les faits en réalité, tu sais, je veux dire, les faits sur le nombre de feux de forêt, là, ils sont clairs, nets et précis. C'est en diminution depuis longtemps. Oui. Ce qui. Arrête là. Arrête là. Comment ils font? Tu on dit que leur pouvoir diminue. On dit... Moi, il y a des gens qui m'ont dit... TVA, Journal de Montréal, de Québec, toute la patente euh, médiatique de Québécois est en vente à 1$, dollar. Il n'y a personne qui la jette. 25 millions de pertes par quoi? trimestre. 25 millions de pertes par trimestre. OK, même si tu essaies de nettoyer la patente, ça va coûter trop cher. Puis euh, au lieu de caler 25, tu vas caler 10. Là, tu te dis, OK, là, sont en diminution. Ils ont vraiment un problème en plus de crédibilité. Mais Christophe! ils réussissent pareil à twister l'affaire pendant une semaine, alors que, tu sais, le virus, il y avait beaucoup d'affaires qu'il fallait aller pogner ici et là, c'est plus compliqué. Là, là, on a tout le data à portée de main. Il n'y en a pas d'histoire de feu, il n'y en a pas d'augmentation de feu, il n'y a rien de ça, il y a des en fait, années. il y en a une. Il y en a une histoire derrière tout ça, puis elle va fiter à ce qu'on dit depuis tout le temps. Que malgré que le nombre de feux de forêt est en diminution, on se rend compte qu'on commence à avoir de la misère à contrôler ces feux-là, puis que le nombre d'hectares brûlés a tendance peut-être lui à augmenter par le feu de forêt. Donc, la gestion de la forêt, l'équipement, ouais. le gouvernement, ça s'occupe des routes, ça. nos routes sont tout croches. Oui. Le gouvernement, ça, ça s'occupe des hôpitaux, les hôpitaux sont tout croches. Tout ce que le gouvernement s'occupe et que vous voyez à chaque jour, puis vous êtes des électeurs. Tout ce a, qui s'occupe, c'est tout croche. C'est Il y, y, y a des arbres qui poussent dans des gros, gros barrages électriques. Là. Tout ce qu'on gère, c'est tout croche. Pensez-vous réellement que la SOPFEU feu et les organismes de ce genre-là, qui s'occupent de la prévention ou de, de combattre ces feux de forêt-là, sont bien équipés? Mais non. Pensez-vous qu'ils ont l'équipement nécessaire pour ce qu'on a à couvrir comme territoire au Québec? En plus, on a dû faire des nominations politiques dans plein d'affaires de même. Donc, c'est plein d'incompétents qui gèrent des affaires qu'ils ne connaissent pas. La SQ ont des ordinateurs qui ne marchent pas dans certains chars. Ben, pendant trois jours, des fois, ils n'ont rien. Non, non, c'est pas chic, Le Colisée de Québec, c'est je sais que c'est pas le gouvernement, mais c'est un bras de c'est la continuité du bras du gouvernement. Oui. Le Colisée, là, des. Euh, où est-ce que Guy Lafleur a compté des buts? Oui, Colisée de Québec. Colisée de Québec. Les Nordiques? Les Nordiques. OK. Et les Stacheny? Les Stacheny. Ben, le Colisée, en ce moment, c'est un, un garage de chars. Il y a des chars de police dedans. Ils s'en servent de garage. Parce qu'habituellement, ouais. des places qui ont de l'allure, la majorité des places qui ont de l'allure, ils achètent un char police pack. Tout est prêt. Tu le oh, char, oui. il arrive tu pars avec. Les policiers en partent dedans puis ils partent. Ben, les autres, on le trouve trop cher. Donc, on achète un char de police, pas Police Pack. Puis par après, on va l'équiper Police Pack avec deux, trois compagnies. Mais finalement, les prix ont monté. On n'a pas l'argent. Donc, les chars sont toutes dans, dans le... Et les autres, les gars se promènent en char. Je sais, ils m'ont arrêté jaser. Et, et les autres, on, sera, on a des, des chars, débuts. tombent en panne, ils sont <laughs> tout croches. pèsent sur le gaz des fois. La transmission ne veut pas embarquer. Et donc, les chars sont finis. Mais ben, c'est ça, la grandeur, man. Ben, exactement. Pensez-vous que c'est pas le même avec euh, les, les organismes qui combattent les feux de forêt? Ben c'est sûr que pareil. C'est pas juste au Québec, le Canada au grand complet. Mais... États-Unis, beaucoup d'histoires de, de la Californie dans les feux, c'est beaucoup la gestion des histoires de feux. C'est tout la, le, le sop-feu de la Californie. Ça, ça a été pointé du doigt plus qu'une fois. Gestion tout croche, désorganisation totale, coupée par telle raison parce qu'on ne veut plus faire tel nettoyage, c'est pas bon pour tel animal, alors qu'on est en genre de patente euh, climatique. Plein d'affaires, là. Gestion de la forêt aussi. Je pense qu'on a de plus en plus d'experts qui parlent. Euh, c'est parce qu'à cette heure, quand on replante des forêts, on veut que ça aille vite. On plante ça, c'est tout cordé un peu, mais on oublie quelque chose. Il y a une diversité dans une forêt. Ce n'est pas juste conifères, conifères, conifères. C'est des conifères, des feuillus au travers, il y a un peu n'importe quoi. Mais là, quand on plante des. on replante des forêts, c'est pas naturel, puis on fait pas une bonne gestion forestière. Si tu viens implanter planter des champs de conifères parce qu'ils poussent plus vite, bien, il y a une. Il y a un impact à ça aussi. quand le fer brûle plus vite aussi. En cas, une chose est sûre de ce que j'ai cru comprendre, c'est que les gens qui gèrent des territoires pour euh, leur business, les gros qu'on connaît ici dans le coin, il y a terre du séminaire, euh, résolu en un à tonnes. Il y en a qui ont plein plein, plein, plein de places. Les autres euh, ont quasiment pas de feu. C'est bizarre. Hein? Résolu, a pas de feu. Euh, résolu, euh, Résolu, C'est sûr que quand ils ont vu qu'il y a des orages sèches qui s'en avaient secs, oui. ils, ont, ils ont venu, parce que ça a été allumé en partie par du monde, mais en partie par des orages secs. Ils ont des, ils ont des genres de spécialistes qui gèrent, parce que Christophe, c'est leur matière première. La science. Mmh. Là, là. Donc là, ils il étaient inquiets parce qu'ils savaient qu'il y avait un changement d'air atmosphérique qui allait, qu allait provoquer des orages secs, c'est-à-dire de la pluie qui tombe, mais qui ne finit pas par tomber parce que l'air est changé, parce que l'air est sec, mais que tu as quand même des éclairs, tu comprends? Donc, euh, oui. les autres, ils ont peur de ça. C'est probablement même pire que des, des orages de, traditionnels. Mais les autres, ils n'en ont pas eu ben ben. Là. Ils en ont eu, mais je veux dire, il n'y a pas de feu qui a allumé. Ils ont perdu quelques hectares seulement, mais le reste, on dirait qu'il y d'autres qui gèrent des forêts publiques, il semblerait que les forêts publiques sont beaucoup plus fragiles au feu de forêt que les autres. Je dis ça de même, OK? Je ne suis pas un spécialiste, là, mais euh, à mais force t'sais... de recevoir des emails de gens qui travaillent dans le bois puis des affaires là, on commence à en apprendre un peu. Ouais. Bien, c'est parce qu'à un moment donné, vous voulez des histoires. Là. Il y en a des histoires, mais checkez aux bonnes places. Oui. Les places à checker, c'est là. <laughs> le gouvernement a, a t quelque chose là-dedans? Oui, bon, checkez ça. <laughs> Il y a un début de commencement de solution là, là. Ben, c'est sûr. C'est sûr. Pardon. garde le point est là, c'est c'est les gens qui gèrent ça. C'est le monde qui gère l'hôpital. Êtes-vous en confiance. Ben. Ouais, mais là, on ne pourra pas acheter des SL 215 pis... parce qu'il y a un gars, il y a un genre de. tour des spécialistes de l'UCAM en passant. Une des pires univers universités de trou de cul à terre, c'est l'UCAM. Et à chaque fois qu'on a des spécialistes qui nous disent. Il n'y a pas de UCLA, là. Ils viennent pas d'MIT, ils viennent pas d'Harvard, ils viennent pas de Princeton, ils viennent pas de. Ils viennent pas de, Ils viennent toujours de la fucking UCAM, qui est une des pires universités dans le monde. une place, regarde, une université très douteuse. Non, mais surtout de. Ah oh ouais, mais là, on ne pourra pas commencer à avoir plus de CL215, puis on ne pourra pas tous les éteindre. L'enfer s'en vient, là. On va vivre dans un monde infernal. Soyez prêts. C'est ça qu'on est. Du... Moi, je suis sûr que dans les cinq prochaines années, il n'y a pas une saison de feu. T'sais, souvent quand ils font ça les dieux les punissent Pis les autres, ils passent à, <laughs> ben oui, ça. les dieux les punissent et ils passent à un autre sujet autre, ils trouvent un autre nanan mais ça se peut que en faisant ça check bien, les cinq prochaines années il n'y aura pas de feu Garde, regarde le nombre d'années des dernières années où il n'y a quasiment pas eu de feu on va dire avec l'année qu'on a eu là je ne serais pas surpris de savoir que l'année prochaine l'année d'après on dit n'importe quoi là, mais ça, juste parce qu'ils l'ont trop collé de nous dire que ça, cette année, c'est le début de quelque chose où on aura ça en répétition, va être de la récurrence tout le temps. Je suis certain que ça va être l'inverse qui va arriver. Chaque fois qu'ils qu callent de même, ils jinxent la patente tout le temps. C'est une bonne nouvelle, mais ils vont être jinxés, les, de, 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 les feux de forêt. Je suis prêt à mettre 100$ là-dessus. Tant mieux. Tu récession, là? Hein? Je ne sais pas si on est en récession. Je ne sais plus. On jinxait sa récession. On, on, oui, on a dit oui, on <laughs> Ils ont sa Récession, Joël Vert. Bonne affaire, ça, par exemple. Continuez à jinxer. Ben oui, continuez continue à nous coller à récession, on ne finit pas par arriver. Euh, le, hey, 500 millions, on a parlé de ça tantôt avec Dance The Beautiful sur euh, le Prime. J'essaie de comprendre. Moi, le principe de. Je, je sais que si on fait un sondage parmi les Québécois et les Canadiens, parce que. Les médias réussissent à... réussissent à nous amener tous d'un bord. Le banc de poissons est facile à guider. Puis je sais que les gens, ils sont pro-Ukraine, puis ils sont contre la Russie. Moi, je, moi, je suis contre la guerre. Tu sais, je, moi, je... Mais, Mais je... réalisent tu qu'on les crosse un peu, les Ukrainiens, là-dedans? Je sais pas si on les crosse. Je pense qu'on les utilise que, un peu, là. Il y a beaucoup de prêts, hein? hein? Ah, il y, y a des, des prêts, là-dedans? Ben, c'est beaucoup des prêts, Jeff. Quand cette guerre-là va finir, là... Hmm. Les pays occidentaux, là, on servirait de bord avec l'Ukraine, puis on va dire, écoute, là, tu nous dois de l'argent. Le dernier 500 millions, cest un prêt? Je ne connais pas la composante exacte, mais je te dirais, les chiffres que j'avais vus, c'était des affaires au-dessus de 70 qui étaient des prêts de tout l'argent qui va en Ukraine. OK. On va être nés par les chenolles. Là. Quand ça va finir, toutes ces affaires-là, ce ne sera pas fini. Là, parce que là, on va s'enverrer de comme bord. La la on est comme la meunerie avec le fermier. Ben oui. Donc euh, finalement, on va te mettre du. On va te mettre des, du grain en crédit, mais à un moment donné, on va s'emparer se, de, la, de la ferme. En bout de ligne, que l'Ukraine joigne l'OTAN ou pas, ce ne sera même plus un enjeu. Ça va être notre popette. Ouais. Ça va être notre marionnette. Oui, mais on, lui, on, on... Zelensky, va être parti quelque part, puis il va avoir quand même 60-70 millions d'un compte de banque en Suisse. J'ai pas peur pour lui. <laughs> J'ai zéro ben, Si on regarde <laughs> l'histoire de l'Ukraine, c'est pas mal la répétition. Ça serait bizarre que ça finisse là. là. On s'entend que, que ça finisse là, ce serait très drôle. Là. Mais, ok, mettons, euh, peu importe, ok, mettons que c'est un prêt... C'est un peu frustrant, là. Tu sais, je veux dire, euh, je comprends, là, la patente, la mécanique de la monnaie, c'est probablement de la monnaie, je suppose. C'est peut-être de la monnaie qui, qui est imprimée. Je ne sais pas comment ça marche. Ça vient direct du déficit. Bon, ça vient direct du déficit. Ok, parfait. Mais mettons ça dans des images pareilles. Tu sais... Mettons qu'on est 20 millions de travailleurs. Bon, 500 millions, on est 20. Ce n'est pas des gros montants par personne, mais c'est ça plus une autre affaire, plus ça, un autre ci, plus un autre ça. À un moment donné, il y a juste aux élections où on a, on a un certain pouvoir, puis pendant quatre ans après, le gars arrive là, fait tout ce qu'il veut. Chris, on ne parle pas de 50 000 là. On parle quand même, si c'est sa dette, avec la dette qu'on a, on, ça, coûte, ça nous coûte quoi? 45 milliards par année? De payer juste l'intérêt à la dette. Puis là, là c'est toutes des emprunts qui ont été faits il y a deux, trois ans. Ça va être renouvelé bien vite, cette affaire-là. Ça va jumper, papé. Euh, on paye 45 milliards d'intérêt de, 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 de la dette. À un moment donné, si je dois le faire, ça commence à être indécent. Moi, je me sens comme violé financièrement. Tu sais, je veux dire, moi, je n'ai pas d'aide de rien. Je ne reçois jamais une scène de. Je n'ai jamais de chèque. Je n'ai jamais rien. Mais en, on en donne en tabarnache. On en donne. Puis là, je rencontre en fin de semaine un pirate. Le gars, il a le cancer. Mmh. Il attend depuis le mois d'octobre ses traitements. C'est pas commencé. Il y a le cancer du rein. Tu sais, je veux dire, c'est le bordel dans Patente. Ils ont perdu son dossier. Ils ont... Regarde, c'est l'enfer. Et je sais que ça, c'est un bout de fédéral. On est sous-financé dans un paquet de places. Ou encore, on envoie trop d'argent, ça vire en salaire, il n'y a plus rien qui marche pareil parce que le monde se crée des jobs, il ne faut rien de la journée. Mais... Je commence à trouver que. Tu sais, je ne comprends plus la logique, je ne comp, je comprends plus le système. Je file plus rien. Là. Tu sais, je me dis, ben voyons, voyez, tu sais, tous les principes de base qu'on a appris l'argent, c'est dur à gagner, l'argent ne pousse pas dans les arbres. c'est tu sais, toutes des affaires basiques. Là. Mais là, tout ce qu'on m'a appris jeune, comme tu sais, d'avoir une responsabilité financière, d'avoir une responsabilité budgétaire, etc. Tout le monde doit faire ça. La ville, le, le gouvernement provincial, le fédéral. Toi, dans tes affaires personnelles, as, tu montes ça à tes enfants. Non, mon... Euh, je veux dire, quel, y a tu quelqu'un qui peut me dire, ben là, telle affaire, on peut pas le faire parce qu'il n'y a pas d'argent? Chris, tu en as envoyé 500 millions en Ukraine. Ça, c'est over ce que tu as déjà envoyé avant. On est rendu à des milliards d'envoyés. On, de, on parle de 8 milliards. On parle de... J'ai vu ça tantôt. Yann, je comprends plus rien c'est la distorsion le gouvernement quand il gosse dans l'économie fait de la distorsion puis écoute n'en voulez-vous de la distorsion je vais vous en donner un bon exemple Jeff demain matin je t'offre comme emploi d'aller fouiller dans les poubelles du monde puis que si tu vois trop de pelouses dans le bac à déchets de donner un ticket ou un avertissement à personne <laughs> ça c'est tout ce que je te dis c'est un job as-tu le goût de faire ce job là ben comme job de retraite, euh, ça dépend comment ça paye, là. Ben oui, oui, ça dépend comment ça paye, mais si je te dis que c'est payé le prix du marché, c'est un oui. job tu t'as pas besoin d'éducation, donc toi, tes attentes, c'est quelque chose de pas trop payer cher. Là. Non, Alors, non, ben est est... du monde. Moi, je ne peux Et... pas faire une snitch. Moi, je ne peux pas être une snitch le restant de mes jours. Ben, non, pas on tu bien qu'on ne peut pas faire ça. Pas, pas, pas faire Hier, j'ai juste su que mon chum Rick, le Trucker Rocker, les pompiers sont arrivés à côté de chez nous sur le bord du fleuve parce qu'il s'est fait un feu sur sa grève puis que les pompiers sont arrivés pour l'éteindre. puis qu'il s'est fait tout les... Il pensait que c'était moi. Euh, il s'est fait stouler par un voisin. Je me suis dit, mais voyons, sacrément, y a vraiment quelqu'un qui a appelé? Le gars, il y a de la place va faire un feu. Écoute, ça, le vent s'en allait vers le fleuve. Il y a rien là. là C'est pas bien grave. Là. Mais ça a l'air qu'on pas le droit. Donc, il y a quelqu'un qui a appelé les pompiers. Les pompiers sont avec le truc, là. » Mais ce genre de job-là, présentement, les postes sont comblés. Là. À la Ville de Lévis, ça commence à circuler. Et... Ça, il y a du monde qui check l'eau aussi. La pelouse. Bon, ils ouais. ne pas à nuit. Ouais. Ça rose la nuit. Mais comment ça, ça de postes ces postes-là sont comblés? Ben, C'est parce qu'ils sont payés trop cher. C'est parce que les avantages sociaux pour ce genre de postes-là sont trop élevés. C'est clair. Parce que là, présentement, nos restaurateurs ont de la misère à engager du personnel. Les camps de jour pour l'été, euh, qui ont besoin d'affaires de, de, un peu plus spécialisées, ils ont de la misère à engager du personnel. Mais les gars, pour trouver du monde, pour aller fouiller dans les poubelles, voir s'il y a du gazon dans la poubelle, ça, il a pas de problème. Une des jobs les plus déshonorantes, qui a pas autant ce niveau des principes ben que non, ouais. ce niveau tout court de la salubrité, ben c'est une job de marbre. Excuse-moi, là. Mon beau-frère rentre chez nous puis dit « J'ai changé de job. Je suis rendu, je travaille à la ville de Lévis, puis je fouille dans les poubelles. Voici, y a mis du gazon. Le call is there. Non, il y a un souper de prévu, il est 4h30, il vient de déboucher sa tout, Ramonce ta ramasse ta bière tu arrives chez vous le soir, ta femme, toujours avec ta femme, elle dit Tu n'as pogné combien aujourd'hui? Oui. C'est quoi cette histoire-là? Hé, chérie, j'ai levé, j'ai élevé 250 capots de poubelle, j'en ai trouvé 10. Moi, ça fait 37 ans que j'étais avec ma femme. Si je pogne la job puis je donne un ticket pour de la pelouse dans un bac de vidange, elle divorce, là. Ça s'en va. Ah oui, elle s'en va son camp après 37 ans. Ça se termine là? Oui, mais non C'est pas, dire... je... ça... pas vrai que je vais rester marié avec un, un gros avec... loser. Non, non. Gros loser. <laughs> <laughs> c'est quoi cette histoire-là? Gros snitch. <laughs> <laughs> ouais, C'est-tu déshonorant? Le, le mot, c'est déshonorant. Comme oui. Job oui. Abruti. Mais c'est on s'entend que ça va dans l'air du temps un peu pareil. Oui, mais ça n'a pas de sens pareil. Oui, mais ces postes-là sont comblés. Je sais bien. Imagine-toi à son pays. Ça, ça veut dire que ça doit être du 25$ facile. Hey, les gars, ils font le tour des poubelles. Contre. Mais non, c'est épouvantable. C'est épouvantable. Ça, ça veut dire que tu peux sortir dehors, de Et... ta maison, puis quelqu'un qui a la tête dans ta poubelle? Oui. C'est oui. normal. Si vous voulez travailler dans les poubelles, là. Un, okay. vous voulez travailler ça? Mais, oui. mais, mais sérieux, <laughs> si vous voulez travailler dans les poubelles, là, ils, ils, ils cherchent des gars de troc là. Oui. Moi, je parle avec les gars de troc, moi je suis chum, mais je suis un gars de poubelle. Donc, arrête de rire. Je non, mais je suis, un, je, je suis Jeff poubelle. <laughs> Donc, je, je parle avec les gars de les Conducteurs de camions. Les gars, là, ils, ils, ont, ils, ont, ils ont de la misère à trouver des chauffeurs, là. voyons donc. Puis ils sont, sont debout, égoueurs. ben oui, ils sont debout, puis ils ont un bras. <laughs> tu sais, ils n'ont pas à sortir des hors à prendre des poubelles. Ils ont de la misère à trouver du monde. Donc, si vous voulez être des poubelles, absolument, les gars, les gars de troc, d'après moi, c'est. Ça, c'est une belle job. Ouais, hein? Ça, j'aime bien. On a des pirates d'ailleurs qui sont euh, qui chauffent des camions de même. les ah. camions verts fluo, Donc, euh, on les salue. Mais ils en cherchent. Mais à la place. Il y a plus de postes d'ouvert qu'à la ville de Lévis. Ils ont comblé les postes pour chercher du monde qui met de la pelouse dans le. C'est quoi le problème de la pelouse? Ils ont juste à ramasser la sacrament de pelouse. Non, mais ils ont juste à nous demander d'acheter des sacs en papier, home depot, canin. On crisse la pelouse dedans. Donc, c'est pas un sac de plastique. C'est ça. Puis, il y a un camion qui suit. Comme ailleurs. Quoi le problème? Y a-tu des problèmes? Il pas de problème. Mais c'est parce que là, ils ont, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont continué à taxer le citoyen pour ramasser la pelouse qui était coupée. Mais je sais, la bombe me l'a dit. J'avais dit à un moment donné, il rentre dans le bureau, il dit « Le camion, là, j'ai enlevé ça, là, le camion. » Je dis « Comment ça coûtait, ça? » Je ne sais pas combien, là. Mettons dans toute la ville, mettons 10 millions. Je dis « Ouais, 10 millions, budget de 1 milliard. » Je dis « Là, tu vas nous le rembourser. » Il dit « Non. » Ben oui, mais je dis « Même si c'est 5 pour ma maison, ce n'est pas grave, si tu ne le fais plus. » Tu ne rembourses pas. Tu ne peux pas garder le cash si tu le fais bien. non. Si tu voulais laisser votre gazon à terre, Je... ouais. laissez le gazon à terre. En... en juin, laisser le gazon à terre, là, dire... il y a pas mal de gazon en juin. Mais mon feeling, c'est qu'il ne veut plus rembourser les vidanges. Ben, ben. Ça, va to... ça va tomber aux deux semaines. Oui, hein? hum. Les vidanges. Ouais, Question de temps, c'est ce qu'il a... En fait, quand tu vois les inspecteurs des poubelles, le monde qui sont à Sainte-Julie ou des places comme ça, ils nous écoutent, ils disent ben, ça, fait... ça fait 5 ans, 6 ans que ça existe, ça. Ben, ce qui fait aussi quelques années qu'il existe sur des places de même, c'est des poubelles aux trois semaines. Ouais. Le recyclage est une fois par semaine dans le temps. Cas, oui, il tombe à deux semaines. Mais tu payes la même affaire. Euh, oui. Ah, okay. Mais il est, il est plein de bacs. Euh, ça déborde, là. Le recyclage, ça déborde. Aux deux semaines, ça déborde. Ben garde, euh, je vais te faire une confidence. Tu sais que je suis green. T'es <laughs> très green. Merci. Ben, même des fois, c'est énorme, ma blonde. Mais c'est pas grave. Je me considère comme green. Mais là, à un donné, de temps en temps, ma gestion va bien. Mais si il y a des affaires, des fois, tu as une boîte que tu as achetée, ça scrape toute la patente, par après, tu es comme en déficit de place dans le crise de bac bleu. Puis je pas acheté un autre bac. Mais la semaine passée, j'ai eu un problème parce qu'on était en déménagement, nous autres Donc ça prend des boîtes Il y a plein d'affaires qui sont ramassées dans l'autre poubelle. Jeff. Dans les années 90, on riait de timé dans Tite Vie. C'est moi. Oui, mais Chris, on est tous devenus des dans la gestion de ben, l'argent. Je, je sais, je sais. Puis là, ma blonde a dit, euh, ce qu'on fait avec ça? Ben, j'ai dit, chérie, on le met dans la poubelle normale. Mm. Elle a dit, toi? je ben, j'ai regarde. J'ai dit, on voulait passer aux deux semaines qui mangent de la merde. C'est qu'on fasse. Ils, ils veulent qu'on soit green, mais ils nous coupent le service qu'on paye puis ils nous remboursent pas la différence. Mm. Moi, Donc... jamais j'aurais pensé que la petite vie était prophétique. Oui. <laughs> Moment. <laughs> C'était pas peur, hein? C'était-tu moment? C'était qui des deux? C'était était... pas peur. Pas peur ouais. être intense. Pas peur mmh. être intense, oh, c'est oh, oui. sac, hein? Couché dans leur lit de bois Ah oui. Ben regarde, ça a mal fini aussi. <laughs> sérieux ça, ça a pas bien fini pendant tout. En tout cas, regarde, j'essaie de comprendre de tout ce qui se passe avec l'affaire. La, 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 le 500 millions, ça n'a pas passé. Là. Le 500 millions, je commence à me voir plein mon casque. Ah, Pis-tu quoi? Ça va finir en guerre. Ça, au début, je riais de Mr. White qui me disait Cette affaire-là, ça va finir en guerre mondiale. Ouais, moi aussi. Je ne l'ai pas vu venir, mais. Mr. M. va dire m de quoi, là C'est en train. Ça va mal finir, cette Christie d'affaire-là. C'est sûr que ça va mal finir. Très, très, très inquiétant. Ben, il chatouille Poutine tout le temps. Ben oui. Ouais, Poutine n'est pas prêt. Il chatouille, chatouille. Ouais. Non, mais c'est que personne ne veut la paix. Personne ne veut la paix. Tout le monde il veut du cash. Puis là, il train les gars pour faire des F-16. C'est sûr qu'ils vont aller se cracher avec les f 6 et tu ne peux pas former un gars F-16 en, en l'espace de six mois. Là. Hey, le Canada, peace and love. Tu sais, le Canada, les casques, les casques bleus. bleus. Les... Le Canada va fournir, ben, dans le dernier deal, il va fournir 288 missiles euh, à l'Ukraine. Mm. 10 000 cartouches de, munu... de, de munitions de 105 mm. Ils sont faites les... à saint tog Ces cartouches-là? Oui. Il y a une usine à saint togue Personne ne sait où. Ok, ils font des munitions là. Oui. Ça a l'air d'une usine bien normale. Ben normale. Oui, mais c'est là qu'ils font, ils font, les, font les balles pour, euh, pour là-bas. Là. Ouais. Mais non, on allait. les autres, on, ah, on, oh oui, oh oui, on, on est les Peacekeepers. On moins 500 sûr. millions pour, pour rajouter ces milliards qu'on a déjà mis pour se continuer à mettre de l'huile sur le feu de la guerre là-bas. Il y a des, des vrais morts là. Mm. Il y a des Ukrainiens qui meurent. Il y a des okay. Russes qui meurent, là. C'est des guerres comme dans le temps qu'on ne pensait plus qu'on vivrait, c'est des guerres de tranchées. Ben oui, c'est Il n'y a rien de plus. Euh, les, ceux qui réussissent à avoir des vidéos de ça, il y en a qui fouillent ça et qui, qui tripent là-dessus. Là. C'est désonérant. C'est pas humain, là. C'est des affaires dégueulasses, là. Mais non, c'est de la, la pure guerre. Si vous pensez que c'est des drones, des patentes de même, qu'il n'y a pas d'humains qui se touchent, oubliez ça, c'est une boucherie, cette affaire-là. Là. Donc, Trudeau a visité l'Ukraine pareil, là. Il est-tu allé en fin de semaine? En surprise. Oui, il est allé en surprise. Tant qu'il n'y a pas beaucoup de drapeaux euh, multicolores en N Ukraine. Non. Ils ne sont, Quand... sont pas dans le même mois que nous autres. OK, il n'y okay. a pas le Pride Month. Non, je pense qu'ils ne sont pas dans le même mois. Ah oh, non. Ils ont un autre calendrier. Il y a, y a déjà en parler là-bas. Euh, je ne sais pas. Mmh, ouais. Je ne pense pas, moi. Ce <laughs> n'est pas très, pas très euh, LGBT ah, plus, euh, plus que je sais pas, deux cas, je ne sais pas trop quoi. Là. Pas en Ukraine. Et si bol. Il n'y a pas beaucoup de monsieur et madame en Ukraine. Je ne suis pas sûr qu'il y a beaucoup de bah ben, quoi que, quand tu veux pas aller en guerre, mettre une robe avec, même si as une barbe, ça se peut, là. Mmh. On ouais. a déjà vu ça dans le passé, là. OK. Hey, thank you, Yann, t'as bien le fun. Bon, euh, bonne you. semaine, mon ami. pour Si vous avez besoin de Yann, garde votre conseiller.net, bien sûr, mais si vous voulez écouter tous les podcasts de Yann, avec Frank, disponible sur euh, toutes les plateformes, incluant Patreon Pour plus de stock encore. Mon nom est Jeff Fillion. On, va, on, a, on a dit qu'on allait où après, euh, Mr. White On la va boîte. Ah oui, c'est la, la boîte. boîte. C'est la boîte. Et après, on a Vince qui va faire un tour ici même sur Radio Pirate Live. Pirate et fier de l'être. Radio Pirate. Pirate.com -pirate Jeff Fillion. Jeff Fillion. Fini et standby. mais juste avant, mon ami Jerry, tu as certainement une boîte de week-end. Il y a de patente dans la boîte, vraiment vraiment très mélangée. On dirait que c'est une boîte du vendredi. Ma boîte, ma boîte est très, très spéciale. J'ai vu ça passer. Moi, j'ai un peu de boursicotage, j'aime bien ça. Jeff Bezos, Jeff Bizoun, je sais que tu aimes ça de l'appeler comme ça. Jeff Bizoun, il a acheté, puis ça, c'est bizarre. Vraiment bizarre. Il a acheté, lui, il, il est multimilliardaire. Là. Jeff Bezos a acheté une action d'Amazon la semaine passée. Une, ouais. une part. Une, une action seulement. <laughs> bon, C'est le plus gros actionnaire de la compagnie. Puis à un moment donné, il a liquidé de l'argent, puis il fallait qu'il en donne... Vu qu'on donne à son ex-femme. Moi, tout, des fois, je fais ça. Quand j'ai euh, des actions à acheter, je suis pas assez riche. Je fais j'en achète juste une. Oui, mais ça, mais toi, t'es pauvre. Lui, il est riche. Oui. Mais que, pourquoi que Bezos a acheté une action, une part d'Amazon? C'est drôle, puisqu'il l'a acheté à 114,77 mm -hmm. Puis en ce moment. Ben, Aujourd'hui, ça varie un peu. On est à 120... C'est la semaine passée, ça. Mm. En ce moment, c'est à 125 pièces. Donc, il a fait, il a fait 11 pièces à date. Avec, avec l'achat de sa part. Mais ça, c'est très mystérieux. Moi, je pense que c'est un coup qu'il veut faire à quelqu'un puis il veut y envoyer une patente de même. C'est drôle, drôle de move de, de, de Jeff Bisoun. Puis, t'sais, Amazon. T'sais, en ce moment, si tu regardes le stock d'Amazon, il est à son niveau... De septembre l'année passée, septembre 2022. Donc, c'est un comeback, là. Amazon a, a craché. C'est sûr qu'il y a beaucoup de stocks, beaucoup de gros stocks techno ont craché l'automne dernier. Et là, c'est un comeback. C'est un des derniers dans les gros qui a fait des comebacks. Donc, lui, il fait, il fait son comeback. Et euh, à ce moment, il y a un beau. On ne peut pas faire de recommandation d'achat. On ne peut pas faire ça. Achat, on ne peut pas faire ça. Mais on peut donner ce qu'on a dans notre tête. En ce moment, le pays, c'est très, très bon. Donc, le haut à vie d'Amazon, c'est 146$. Là, tu vas dire, ben non, Jerry, c'est pas ça le haut à vie, c'est 2000. La fait, c'est qu'il y, y a eu un split. La compagnie s'est splittée à peu près à la même date l'année passée, c'était au mois de juin 2022. Le stock a splitté 20 pour 1. Donc, c'est pour ça que le stock est dans. Pourquoi qu'on en fait le split, c'est pas compliqué? Le split, c'est pour aller chercher justement. Les plus petits actionnaires, parce que les petits actionnaires qui ont des petits portefeuilles ne peuvent pas se permettre des actions à 2 000, 3 000, 4 000 l'action. Donc, ce qu'il fait, c'est quand tu splits l'action, t'amènes des nouveaux actionnaires, des plus petits, as un petit portefeuille, quelqu'un qui a un genre de 10 000 pièces, puis qu'il gère lui-même, ben, il peut s'acheter une part, deux parts d'Amazon, trois parts, cinq parts. Mmh. C'est ça, ça, ça le pourcentage qui compte. Donc, split. ça amène du nouveau monde. Mmh. C'est pour ça qu'Amazon a fait un split 20 pour 1 euh, l'année passée. Regardez, je pige dans la boîte, là. mais J'ai des histoires d'influenceuses. Une, c'est une, une influenceuse incroyable. Elle s'appelle... Charlie D'Amelio. Okay. Charlie D'Amelio, peut-être qu'on ne la connaît pas. T'sais, t'sais, gars de 50 quelques années, tu dis, je ne connais pas Charlie D'Amelio. Mm. Euh, le nom me disait quelque chose, mais c'est sûr que les jeunes la connaissent, surtout les jeunes filles. Elle, elle a 19 ans aujourd'hui et depuis des années, c'est une, une vedette des réseaux, des réseaux sociaux. Coudonc. Elle a 150 millions d'abonnés de TikTok. C'est n'est pas rien. Là. Elle, je, pense, je, je crois, je peux me tromper, je crois que sur TikTok, elle est deuxième en nombre d'abonnés. Mmh. Charlie D'Amelio. Instagram, elle a 47 millions. <laughs> C'est pas rien pareil. Donc, elle, tout ce qu'elle fait. Ben, le monde voit ce qu'elle fait. Alors, elle s'est connaître, je pense, qu'en dansant, chose comme ça, euh, à mmh. faire de la danse, mais jolie fille, puis tout ça. On s'est entendu que c'est l'époque des, des réseaux sociaux, de se faire connaître. Pis, mais Elle, elle, elle c'est une méga star, méga star des, des réseaux sociaux. Mais là, là parce que moi, ça me touche, parce que non, moi, j'ai bon. connu cette époque-là. Moi, j'ai connu l'époque, puis ceux qui sont plus vieux un peu vont s'en rappeler, l'époque des Tamagotchi. Ah. les fameux Tamagotchi. Il fallait les okay. Exactement, les petits personnages qu'on doit s'occuper. Avant ça, c'était une petite c'est encore le même, hein? tu vois sur tu vois sur Amazon, tu vois sur eBay ou d'autres sites, les Tamagotchi à 50 pièces, il y en a plein. Là. Ils ça à un prix de fou. Mais la face, c'est que la compagnie Bandai, Bandai, c'est une des plus grosses compagnies de jouets au monde, c'est japonais Bandai. Les autres sont dans les, les logiciels de jeu, les films. Combien qu'il y a 10 000 employés? C'est énorme. Ils sont cotés à bourse au Japon. Et là, Bandai, qui sont propriétaires, justement, des Tamagotchi, ils veulent relancer la patente. Imaginez un instant. Là. Nous autres, on trouvait ça tanin dans le temps, à voir. L'enfant avait son tamagotchi. On va donner le tamagotchi. Si tu ne le nourris pas, il commence à être fatigué. Oh oui, Mané, il est couché sur le dos. Là. Il est couché sur le dos. Puis là, ben, si tu lui mets du son, il est en train de crier. « Ah, j'ai faim, tel faim, j'ai soif. Là, » Il faut que tu t'en occupes. Comme, comme un animal, là, ton chien, il mm -hmm. ben, faut que tu de la bouffe. Mais là, là tu as une, un bonhomme virtuel à t'occuper. Mais là, les, les fameux tamagotchi, Bandai, ils veulent les ramener. Ils veulent, ils veulent faire de la publicité. Mais ils sont allés chercher la bonne personne. Ils sont allés ils vont aller chercher Charlie D'Amelio. Ah ouais. C'est elle. Les nouveaux Tamagotchi vont sortir cet été. Je pense qu'au mois de juillet. Donc, c'est possible. Je Mais vous là, le dis. Là. Ça va être sur quoi? Là? Tu, tu vas acheter encore une, une machine? Là, achète une bébelle. T'achètes une bébelle. C'est des ça vendeurs de jouets. Ça ne sera pas une application. Euh, peut-être ça va peut-être être, peut être associé. Ils vont peut-être moderniser l'affaire. Mm -hmm. Ça, c'est sûr. Mais c'est sûr que cette bébelle-là peut. Je ne sais pas si elle va réussir, Charlie. Mais cette bébelle là peut devenir une folie, comme dans les années passées, où ce que toutes les enfants voulaient avoir un tamagotchi. Mais ça a été une folie, mais ça, n'a ça pas duré longtemps, ça se peut ça. La face c'est que c'est arrivé par deux vagues, je crois. Il y a eu une première vague, c'est tombé mort. Il y a eu une autre vague, c'est tombé mort. Là, on, on peut-être on se prépare pour une troisième vague. Mm -hmm. Mais la face c'est que c'est une genre de déferlante, puis c'est le genre de folie-là, je dis folie, c'est une mode puis tout ça. Mm -hmm. Mais c'est souvent ces modes-là sont planétaires. C'est ça, ça, ça l'affaire, c'est multiplicateur. C'est pas ciblé à une place. Si tu vas chercher Charlie euh, chercher Charlie c'est que c'est vraiment planétaire à ton histoire. Moi, je pense que tu ajoutes ça à ton, mmh. à ton enfant, non? Puis s'il fait mourir son Tamagotchi, tu n'y ajoutes pas de, de petits chats, là. Tu comprends? C'est très bon, ça. C'est bon, ça. Oui, ça, c'est très, très, très bon. C'est le test pour avoir les minou. Mmh. Exact. C'est très bon. Eh oui. Très bon. L'autre influenceuse, elle, est un peu, elle, ça a été un peu plus pire. Charlie a signé un beau contrat, mais elle, plus difficile un peu. Elle a quand même… Elle s'appelle Chloé Chapdelaine, mmh. influenceuse. Elle a un nom francophone québécois. Et je crois qu'elle est canadienne, mais je, je pense qu'elle vit à Los Angeles. C'est ce mmh. que je, je comprends. Influenceuse, elle a quoi, 102 000, 102 000 abonnés sur, euh, sur Instagram mais euh, elle, elle fait, elle fait des belles photos, elle met beaucoup de photos de, de, de la nature, puis tout ça. Elle a vraiment un beau. Elle, son Instagram, c'est très, très beau. Ses photos, puis ça, c'est très bien. Mais elle, dans sa vie personnelle, elle, est, il appelle ça celiaque. Les gens qui sont intolérants au gluten. Okay. C'est une maladie, ça, oui, oui. maladie des intestins. Donc, t'es vraiment pris, là. Il y a, y a des gens, il y a des gens qui se disent. Euh, intolérant au gluten juste pour bien paraître. En réalité, tu as du monde qui sont vraiment malades s'ils mangent du gluten. Ce qui est arrivé, c'est qu'elle, a a pris l'avion. Elle est allée faire un tour à, à Dubaï. Mm -hmm. Puis elle avait un vol, Dubaï-Los Angeles. Quand même un vol de 15 heures. Et elle, dans son. Euh, dans sa, vu qu'elle est cœliaque puis très, très intolérante au gluten. Elle est très belle, hein, c'est une très belle femme. Oui. Elle, euh, elle avait un repas spécial dans l'avion. Elle a reçu son repas dans l'avion, parce que t'as quand même 15 heures, faut que tu manger? Mais la, la compagnie d'aviation, il a fait un repas sans gluten, etc. Tu, sais, tu peux demander des choses comme ça. Euh, t'as peut-être en première classe aussi, tu doit faire de l'argent un peu. Mais l'affaire, c'est que, <laughs> que la bouffe qu'elle a reçue, c'était à l'eau des gluten. Oui, extra-gluten. Extra, extra-gluten. Extra, extra gluten. Et là, elle, qu'est-ce qu qu qu'elle Elle, elle savait pas. Elle a mangé. Du coup, ça fait blou 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 okay. dans l'estomac. Oui, okay. sur un avion, c'est le fun. Hein? »« Prout. »« Oh! Pou-pou-pou pou-pou. Non, non, là, attends un peu, là. Là, l'avion est au-dessus du Pacifique, à Nopo. Ben, Pacifique ou pas par où? Non, c'est vrai que je pense que quand tu pars de Dubaï, puis tu vas à Los Angeles, tu passes par le pôle Nord. Elle ne peut pas aller chercher des modiums dans, oui. dans, dans, <laughs> dans la pharmacie. Non, non. Elle, là, elle a. Êtes-vous déjà allé prouter dans un avion? Euh, je ne suis pas sûr que ça m'est arrivé tant que ça. Moi, pipi, oui. oui. pris d'avion souvent. Mm -hmm. Mais tu veux dire, il y en a qui prennent l'avion encore beaucoup plus que moi. Là. Il y en a qui prennent l'avion pour le travail. On dirait que ton corps, il se retient dans l'avion. Oui, il y a peut-être un petit. Oui, euh... il, retient, il retient bien. C'est ça, du pipi. Pipi, moi, je suis allé. Je vois tout le temps. Au moins une fois par vol, je vois. Écoute, quand tu traverses la flaque, c'est 7 heures. Bon, oui, Puis toi, tu Mais, mais, mais tu poupou, je ne l'ai jamais fait. Il n'y ben, a pas vraiment de place, mais, non. mais elle. Mais toi, tu rentres-tu dans la cabine? Oui, je rentre dans la cabine. Mais. Oh, oui. C'est fait faut, large. Faut Il faut qu'il y en un qui te pousse pour rentrer. <laughs> c'est fait large. Arrêtez donc. Mais Chloé, elle. Non, Chloé, elle a passé au cash. Là. Arrête. Chloé, c'est du prout-prout. Assis à bol. Comme une végane. <laughs> Pendant quasiment tout le vol. Donc, ils ont resté. Non, non, <laughs> c'est prout, prout prout, prout. Mais là, elle... Elle ne peut pas se lever pour aller à, sa, à, à, son, à son siège. Si ça va à son siège, elle il brosse dans le ventre, il faut qu'elle s'enlève. Oui, oui. As-tu vu le trouble. Ça a toujours des sièges à côté des toilettes. Hein? Elle, elle a prouté. Elle a prouté 15 heures de temps. Oh, ben, non, non, c'est fantastique. Elle en braille. C'est l'erreur de l'agent de bar qui s'est trompé dans son. Elle a donné le dîner à une autre personne, puis elle, elle a le ramassé le dîner ouais. full gluten. C'est complètement. Il y en a un qui a mangé fade mm -mm. un peu, mais il est pas allé aux toilettes. Oui, c'est ça. L'autre mm -hmm. personne a, a, a mangé fâle. On dirait qu'on entend moins ça aujourd'hui. Hein, le monde... Euh, euh, tu sais, à un moment donné, il y avait comme... C'était quasiment une mode où que, que le monde ne mangeait pas de gluten. Hein. Parce que le gluten, si je ne me trompe pas, c'est mm -hmm. des pâtes et des patentes. Hein. C'est ça. C'est dans, dans le, le blé. Le blé. Le blé, je pense que... Je m'avance. Je pense que c'est l'écorce, justement. Je dis l'écorce. Oh oui, c'est le, le... La le, peau, pas la, la peau. C'est ça, du blé. Mm -hmm. Donc ça, il y en a partout, du gluten avec le blé. Donc, euh, sans gluten... Là, ils, sont, ils, ont, ils ont la maladie là. C'est cœliaque. Mmh. Ils ont des problèmes majeurs mmh. avec le gluten. C'est pour ça qu'elle elle est cœliaque et elle a passé au cash, mais dans l'avion. n'a pas pris de poids. Ça, c'est ça la bonne nouvelle. Puis ça, puis un, ouais, non, ça c'est sûr parce que pas un vol Montréal Miami. Là. Non, non, non. C'était un vol Dubaï Los Angeles. Ouais. Bonjour. Puis c'est vrai ça que les vegans ils pètent plus. Oui. <laughs> Ben, c'est une étude. Oh oui, ben oui c'est la science. Non, ça, c'est la science. Les vegans, les vegans pètent beaucoup. Oui. Pètent plus que les non-vegans. On salue l'ISO qui était en spectacle hier soir. Oui, elle est vegan. L'ISO est vegan. Oui, elle doit péter beaucoup. Beaucoup de pois chiches. C'est ça. Oui, ça, ça doit faire. <laughs> hey, moi, la foi. Ah, je peux pas <coughs> compter. Je peux-tu compter ça? Ben oui, je peux le compter. Ben non, ce n'est pas, pas rien de grave. Là. Mais la foi où j'ai pété le plus dans ma vie, oui. c'est quand j'ai mangé un chili en canne, à un moment donné. Je ne sais pas qu ce qu'il y avait, le chili. Mais tu sais, c'est des fibres. Oui. Hein? Hey, c'est incroyable. Je pense que j'ai pété pendant trois jours non-stop. <laughs> je te le dis, je n'étais même plus capable de rentrer dans la maison chez nous. j'étais chez nous. Là, je ne <laughs> savais plus quoi faire. Quand les ballonnettes pu finir. Puis là, c'était insupportable. Ah, c'était insupportable. Là. Tu sais, c'était comme des, des pets. Là. <laughs> Oui. Surtout, tu manges pas trois cannes de bière avant d'embarquer dans l'avion. Hein. <laughs> non, 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 faut que tu fasses attention. Non, non, tu manges quelque chose de beaucoup de plus neutre que ça. Oh, oui, très, très, c est, c est, très, très, très neutre. Hey, en fin de semaine, il est mort un gars. Le gars il s'appelle Théodore, c'est son prénom. Mm -hmm. Kaczynski, mais on ne connaît pas sous son nom. Le gars, c'est le fameux UNA Bomber. Ah oui, oui, oui. Le gars. C'est ce cette histoire-là. Il y a, il y a, je pense que sur Netflix... J'ai vu, des... ouais. oui, vu, vu la série. Oui, t'as vu la série? Oui, ben, la série. Attends un peu. cétait une série ou un documentaire? C'était un docu-réalité, ouais, je pense. Ouais, ça. Ouais, tu... de ouais. Deux, trois... Euh... Où ce qu'il l'interroge, lui, pour vrai? Là? En fait, c'est pas, pas des acteurs. <laughs> Exactement ça. 81 ans, il l'a retrouvé sans vie dans sa... Dans Parce que lui, il a été condamné à perpète, là plusieurs fois. Là. Mais ce qui n'a pas été pareil, de 1978 à 1995, il y a, a envoyé euh, oui, des colis à des gens. Ouais. Il y a eu trois morts dans ses, euh, mmh. les colis qu'il a envoyés. Il a envoyé une bombe dans, dans une boîte. Mais là, tu veux dire, il a envoyé ça à, aux universités puis il a envoyé, c'est bizarre, il a envoyé ça aussi à des compagnies d'aviation puis il a envoyé ça à Boeing aussi. Mmh. Mais l'histoire, la compagnie d'aviation, le, le boss d'American Airlines, lui, il restait dans le coin de Chicago, il a reçu, il a reçu une boîte et il rouvre la boîte, dans la boîte, il hein, reçoit un livre. Il reçoit comme un livre. Euh, tu reçois un cadeau, c'est un livre. En ouvrant le livre, la bombe était dans le livre. Mmh. Capoté, pareil. Le gars, c'est un professionnel des, des, des petites bombes, si on peut ça. dire. C'est ça. Très, très malveillant, mais brillant. Mais, mais brillant, oui, parce que le gars, c'est un prof de maths d'université. Exactement. C est, c est, moi, je me rappelle dans cette série-là. Capoté. Il... Il, lui, son objectif, c'était qu'il ne trouve pas, évidemment, mais il avait toutes sortes de stratagèmes très, très brillants pour ne pas se faire trouver. Oui. Il n'y avait pas de traces de doigts non plus. Il n'y avait pas de trace de rien. La police, a ont travaillé pendant des années pour le poigner, Mais bon là, ils finalement, poigné. si je me trompe ils pas, ils l'ont Ils ont il, il trouvé quelqu'un d'aussi brillant que lui dans la police. Oui, c'est ça. Il a réussi à déchiffrer toute sa patente. Dernière petite affaire? Oui. T'as-tu un, un genre de 700 millions de dollars qui, qui traînent? Oh, oh. Non, mais tu checkeras ça. Oh, oui. En ce moment, en ce moment, ça c'est. le gars s'appelle Michael, Michael Esner. Esner, c'est l'ancien boss de Disney. Mais lui, ce gars-là, Esner, ancien boss de Disney, mm -hmm. il est propriétaire, lui, puis d'autres personnes qui ont des sous, une, de, une firme d'investissement. Et cette firme-là a acheté il a Ouais, je pense que c'était en 2006 ou dans 2007, ils ont acheté la gomme Bazooka. OK. C'est-tu bon de la gomme Bazooka? La gomme moi, baz je m'en achète encore. Non, moi, non, par exemple. Non? non. Mais ça, ça c'était la gomme Bazooka, c'était des carrés? Oui, des carrés Bazooka avec le avec petit. C'est ça, la petite bande dessinée. La petite bande dessinée, c'était encore comme ça. Oui. Mais faut souvent, faut en trouver. il faut être, je pense, dans les magasins spécialisés dans les bonbons Vintage. Je Ça sentais bon. Hein? Oui, la bazooka. Là, on faisait des ballons, puis la, très, très grosses. Oui. Ça finissait par te péter dans le face. Exact. Ouais. Aujourd'hui, ils sont plus raides un peu. Dans temps, étaient mmh. plus soft. Là. Mais comme les bazookas, bazooka, là, c'est un brand historique. Et ça, ça a commencé en 1938, mmh. ce brand de gomme-là. Puis, en fait, c'est que lui, Eisner, il a acheté la compagnie qui fabrique. C'est une compagnie de New York qui fabrique la bazooka et d'autres bonbons aussi. Mmh. Plus des sussons. Tu sais, les fameux sussons. Euh, les Ring Pop. Là. Oui, oui. T'sais, le le, le, le suçon est t'apprend une bague. Là. Oh, oui. Mais ça, c'est Bazooka. C'est la même gang. Puis les autres, ils ont, plein, ils ont plein de bonbons un peu euh, iconiques, je peux dire. Mmh. Des bonbons que tout le monde se souvient des bonbons historiques. Puis les autres, ils fabriquent ça. Donc, la compagnie présentement est en vente parce que les autres, ils ont payé ça 385 millions en 2007, exactement. Ça, la vraie date, c'est 2007. Puis là, ils vendent ça 700 millions, donc à peu près le double. Là. 700 millions aujourd'hui. Donc, Bazooka, mmh. si vous êtes... Euh, c'est drôle, hein? Mais c'est sûr qu'il va avoir, puis je disais un, un article là-dessus, il va y avoir un genre de surenchère, possiblement, pour, ces, pour cette comp mmh. compagnie-là. Ben, c'est comme un, un peu comme un enquête d'une manière. Dans ça, ils il sortent un prix, puis ça se peut qu'il y ait une surenchère parce que... Ces brands-là, c'est intemporel. C'est une marque intemporelle. Bazooka, ça, ça rappelle. Euh, Moi, je prenais deux carrés. Oui, deux gommes Bazooka. Moi, j'en prenais deux. Ça me faisait là parce que je voulais gagner le concours de gomme ballon. Oui. Mm. Tu fais là, ça des, des grosses des, des grosses, des grosses sais-tu, quand j'étais petit, j'étais un peu euh, bizarre. Hein? Ben, Aujourd'hui, au moins, je me suis amélioré. Mais quand j'étais petit, je me demandais pourquoi est-ce que la gomme, on n'avale pas ça? Oui. C'est ça. <laughs> c'est une question. Pour l'acheter. Non, mais qu'on comprend que oui. pourquoi est-ce que, est que quand on mange quelque chose, n'importe quoi, il ne faut pas, lui, ça, on, faut, faut son, pas le manger, faut pas l'avaler. On l'avale pas, on se pose même pas la question. <laughs> quand on a une gomme dans la bouche, on ne l'avale pas. Petite <laughs> vite en finissant euh, SOQ, hausse des prix. Voyons. On parle de champagne, on parle de Beaujolais, on parle de Bourgogne. Donc, euh, je ne sais pas si le 18 juin. Ils à peu près 80 cents par bouteille là, sur, sur plusieurs produits. Pas tous les produits, plusieurs produits. Donc, une autre hausse de la SAQ. Eux autres, jamais, jamais qui vont arrêter. Thank you, mon ami uh, Jerry. Yes. Beaucoup de stock quand même pour la fin de semaine. Même si on est en mode été, il y a beaucoup de stock. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de stock. On va être avec Vinny après. C'est un gros lundi. Vinny est avec nous autres après sur Radio Pirate Live. Thanks for listening to Radiopirate.com Radiopirate.com Listen Radiopirate.com Radio Pirate Le chum Vinny est avec nous autres pour euh, finir Radio Pirate Live. Vinny! Oh! T'es-tu full hockey? Oui, 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 oui. c'est une maladie. Est-ce que tous met... tes chums de hockey habituellement? Pro-Canadien ou une autre équipe, mmh. vu que le club n'est pas là, ah, mmh. oh, j'ai pas eu le temps d'écouter la game hier, ah oh, ouais, c'est une bonne game. Je trouve qu'il y en a qui décrochent dans le mauvais timing. C'est sûr que c'est le meilleur hockey. Puis les Panthers de la Floride, ils vont mourir bientôt. Oui. Que grand bien leur fasse, mais c'était le show d'hockey, le meilleur des séries. Oui. Là, ils sont rendus à essayer de décrocher la Coupe. Puis les gens ont décroché avant les autres décrochent la Coupe. Oui. C'est normal, c'est ça, tous les ans. Oui. Les barbecues. Il y a barbecue. Le, le golf. Il n'y a, a pas fait beau fou. Le camping. Il y a camping. La pêche. La pêche. T'sais, les projets d'été, ils sont commencés. C'est ça. T'es samedi soir. Ouais. T'es pu plus tellement pour le hockey. T'sais, nous, on est un peu malade, Donc, t'sais, on le regarde encore. Mais il y a plein d'opportunités qu'on met de côté. T'sais, les festivals, ça a commencé un peu partout. Ouais. Des brosses légendaires à gauche, à droite. T'sais. Au revoir des vieux chums. C'est la période de l'année où ça se passe. Là. Donc, Sinon, quoi, tu me dis, tu me dis qu'on devrait commencer plus de bonheur un peu puis finir une coupe de moins de games, commencer les séries genre en mars. Mais c'est un modèle qui est pas payant parce que t'es pogné pour avoir 40 games à la maison. Là, oui. c'est 41. ouais Il y a là le problème du hockey. Puis c'est vraiment pas un calendrier qui est gentil, qui est adéquat avec ce genre de sport-là. Oui, sport là. Là, on le voit en plus les playoffs. Euh, en plus d'avoir joué 80 games, tu euh... es es capable de jouer. Euh, les playoffs, c'est tough. Là, tu parlais des Panthers. Là, ketchup est fini. c'est fini. On oui, oh, la dernière game, tu le voyais, il jouait pas. Là, il ouais. marche à la drogue de bovin, euh, l'ammoniaque à volonté. Les pharmacies sont ouvertes. Ouais, ouais. C'est quasiment comme Tour de France. Là. Ouais. Il n'a pas de test pipi après février. Là. Non. À moins que tu me trouves un joueur qui a déjà pissé après la date limite des échanges. Moi, je peux te garantir que c'est très, très mollo. Pour les garder en vie, ils font ce qu'il faut. As tu as vu comment ça, on blâme? Oui. En santé de même, puis blâme comme ça. C'est des efforts. Pour des mi-hommes, mi, mi Oui. Mais c'est l'hockey. Il devrait avoir moins de matchs de saison si tu veux avoir des séries de qualité. Mais encore là, je lève mon chapeau. Il trouve le moins de donner un Christy Chow pareil. Mais ça, mais ça, très bon show, très tu bon tu show. Tu prends pas un shift off en série. Mettons que. C'est pas over, c'est 3-1, mais là, tu as Montour qui joue avec un épaule, tu as Ketchuk qui est blessé, Barkov tire, euh, tire la charrette depuis deux semaines. Euh, tu donnes une coupe d'autres en plus. Donc, euh, mettons que. Euh, Allons-y, on, on va l'air cave si jamais il y a un rebondissement quelconque. Mais, mais mettons qu'on y va avec Vegas. Je sais que j'aime pas ça dire ça à l'avant. Mais mettons qu'on y va avec Vegas. Est-ce que. Tu penses, je sais qu'il y en a qui parlent du goaleur euh, Suitcase, là, le gars qu'on connaît pas, là, qui goal bien. Mais est-ce est qu'on a des chances de voir Marchesso comme MVP? Hein? Mais certains. Oui, hein? Certains que Bibit oui. va peut-être soulever le trophée unifolié le trophée individuel le plus prestigieux du sport de loin. Là. Oui. T es le joueur le plus important en série. Tu mm. es une patente de cave, là. Les séries de la NHL, c'est fou C'est fou C'est le trophée ouais. le plus dur à gagner. Puis tu parles des blessés des Panthers. ne penses pas que les Knights sont top shape? Non, je pense pas qu'ils qu sont top shape. Tu ce trophée-là, c'est ce que ça veut dire. C'est que tu as passé au travers des blessures. Tu as joué avec la douleur. Oui. Bébitte, il fait ça. Haïkel, s'est fait brosser le pommier pas mal. L'enfer, l'enfer. Puis tout ce que Pietrangelo a vécu depuis la série contre Edmonton, c'est raide Lui son slash sur Drysdale, c'est une des choses les plus répugnantes que j'ai vu au hockey. Mais combien il s'est fait remettre depuis ce temps-là C'est comme si tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut avec. Ouais, ouais, c'est ça, il y a pas de permission. C'était exactement, exactement. Puis Mark Stone aussi, c'est un joueur ciblé contre Dallas, il lâche pas mais crochait dans le dos. La guillotine dans la gorge. Il n'y a rien qu'il n'a pas subi. Il encore là. là? Il ouais. est encore là puis il joue bien. C'est impressionnant. Oh, oui, euh, le roux, euh, il compte pas, mais il fait des. Pour, pour un gars comme Marcheseau, qui est un genre de. C'est le même genre un peu que Cole Caulfield. Il sait exactement où aller se placer. Il sniffle le goal une seconde et demie, deux, oui. deux oui. secondes avant qu'il oui. arrive. Oui. Et euh, l'autre, qui est un passeur extraordinaire. Réussit toujours à trouver son boy. Puis euh, je sais qu'il est frustré parce que c'est quoi? Ça fait 6-7 games qu'il n'a pas compté, Pfff. mais euh, c'est tout un joueur d'hockey. Ils gagne le game, eux autres. Peu importe qui c'est qui score, ce pas important. Buffalo, est-ce que Buffalo, là, je sais qu'il y avait eu une opération très dangereuse dans le coup, mais Buffalo a, a échappé beaucoup de gens avec un manque de patience. Ça se peut-tu? En tout cas, ça, ce n'est un. C'est un dossier touché parce que lui, il voulait sacrer son Canada. Là. En plus, oui. Il a vraiment agi en fonction d'eux. Ouais. C'est pas la NBA, la LNH, mais il y a encore des gars qui se permettent de faire ça. Check Pierre-Luc Dubois, puis Connor Hellebock, le gardien des Jets. Les autres, ouvertement, ils disent sortez-moi d'ici. Mais là, il y a chose. J'ai parlé avec Denis The Beautiful, mais. Yep. Euh, euh, comment il s'appelle euh, The Brink euh, Oui, lui, le, il dit oui. Denis, dit non, il dit non. Du nom c'est une interprétation des médias. Mais moi, ce que j'ai cru comprendre, c'est que lui aussi, a demandé carrément. Il a fait une liste d'équipes dans lesquelles il veut aller. Ouais. Donc, euh, les, gars, les gars veulent sortir des J'sais équipes. Je sais pas si je les peu. veux, ces gars-là. Je sais pas. Du bois? Je sais pas. Laisse hey, laisse, il veut l'avoir. Laisse là. il en rêve. Laisse il veut donner le cinquième choix. Je pense que j'en je ai parlé dernière fois. Pour Pierre-Luc, Oui. Ouais. 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 Moi, euh... mais, mais je vais poser une question à Laisse. C'est plate, parce qu'il est jamais là. Non, je sais. Mais, mais je vais lui faire le message. Parfait. <laughs> S'il s'appelait... Attends un peu, là. on t'en sortir un bon. Là. Russe. Un nom Mark russe. Mark Green. OK. Mark Green. Non, non, non. non Vas-y même avec un nom russe. OK. Hey. S'il s'appelait... Paul pauvre. Je vais prendre un bon classique de Régent Tremblay. S'il s'appelait Sergueï Koulikov. Oh, oui, oui. <laughs> Sergueï Koulikov. Oh, oui. Puis il dit mettons, à Nick Suzuki, Nick, je veux passer au nord. C'est pas à l'ouest là, parce que on oui. est au nord. Ah, je dirait, « je touche pas à ça. c'est un paquet de troubles. Ouais. Bon. Ben, à ben de la misère avec ça. Ben moi, t'ai ben suis à même place. pour que tu l'acceptes maintenant parce que ben, les, les gars ils sont plus forts sur, que les DG. Sur du bois, je suis seul dans mon coin. Je suis content de savoir que j'ai un allié. Moi, ben Jimmy, t'es un peu comme moi là-dessus. Moi, un gars qui est à Columbus, le coach fait de la pépène, veut partir. Oui. Et bon, il est récompensé, il s'en va à Winnipeg, il s'en va à Winnipeg, oh, il y a une boîte de Winnipeg, il vient frette. Il veut partir. Moi, je suis intéressé, mais j'ai pas d'argent dans mes poches. Donc, moi, je suis intéressé, mais j'ai rien à t'offrir, à part quelques gagnés qui me traînent. là. Mais je veux dire, moi, je ne je me mets pas à genoux devant Winnipeg. C'est Winnipeg qu il faut qu'il se mette à genoux devant moi. Tu sais, il y, y, y a une patente là-dedans. Là. À un moment les autres sont comme pognés un peu avec. Oui, mais même euh, va au-delà de l'échange, même ça se peut que euh, c'est problématique au niveau. Le Canadien n'a pas une tonne d'argent là mmh. euh, sous le cap salarial. Ah, oh, mais le cap va grossir. Ouais, pas tant que ça, là. Ça se passe un million par année. Euh, lui, euh, il va coûter 6-7 aussi. Ah, lui, il coûte cher. Oui, coûte cher. Lui. Euh, on est-tu sûr qu'il compte combien de buts par année, tu m'as dit? 27? Ouais. C'est ouais, c'est vrai. c'est vrai ça, là. Ouais. C'est sûr que c'est 20. Ouais, ben, il, il, il dit Ah, oh, mais il fait un paquet de choses qui qu paraissent pas. Bon, OK. Mmh. C'est ce qui amène ça. Bon, je ben, sais pas. C'est qu'on est, qu est pressé, là, sans, sans euh, pouvoir se le permettre. C'est que là, là, on, on regarde les potentiels trio du Canadien. Puis on se demande encore ce qui est qui joue avec Tinic et Ticole. Oui. C'est qui qui joue là? ben si ouais. le russe est disponible, il pourrait, pourrait être là, non? Ah, qui, euh, tu parles de Matvei Mishkov. Ouais. Ouais. Mais moi, ça, je peux qu'il soit parti après le troisième, d'après moi. Je, je, je suis prêt à l'attendre trois ans, puis je suis vraiment prêt à le repêcher. Mais mettons des gars prêts à faire ça tout de suite, là. Ouais. Première ligne NHL, parce que ça l'air été ça le plan, là. Sur ton premier trio, tu vas voir Suzuki, Caulfield, puis un autre. Ça a l'air être ça. C'est ça. C'est un duo. Ça? Pas, on peut pas briser notre duo. Non, OK. Mettons que dans ma vision à moi, c'est plus un deuxième trio d'une équipe qui aspire à quelque chose. Si ça reste ton mm -hmm. premier trio, je ne suis pas sûr que tu aspires à quelque chose tant que ça. Ceci dit, qui c'est qui joue avec eux autres Tu Slavkovski? Slavkovski. Ben, à date, mm -hmm. euh, on, va, on peut prendre un break. Là, je veux dire, dans le sens que ne faut pas. Ça va être un bon joueur, mais là, il n'est pas bon tant que ça pour l'instant. Mmh. Est-ce que est... qu'il soit blessé, il n'était pas, bon, pas. La réponse est non, finalement, c'est pas, okay. pas, pas lui. Non, ce n'est pas lui. Ça va-tu être Josh Allen? Non, mais c'est parce que j'essaie je, 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 toujours de faire, de faire attention parce que je suis comme Jerry, je suis pro-jeune. Puis il faut être patient avec les jeunes. Il y a du potentiel, il est jeune, jeune, oh, jeune. Il jeune. commence. Il commence. Il commence. Mais il est pas. C'est hein. un, un gars de troisième. Pour l'instant. Ouais. J'aime bien son rire contagieux, par contre. Oui. Oh, 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 oh. oh, ouais, mais... est Le grand garçon qui a grandi trop vite. Oui. <laughs> euh, Josh Anderson, c'est non, sûrement, j'imagine. Gars, il... c'est pas ce qu'il fait, là. C'est un cheval. Oui. T'en veux tout le temps dans ton équipe de même. Mais ça reste un des gars de notre superbe collection de Troisième trio. Oui. C'est même a... pas un God Power. Power. On a beaucoup de troisième trio. Mmh. Oui, beaucoup, beaucoup. Studio Drouin qui revient avec un contrat. Oui. oui ils l'ont essayé partout, ça n'a pas marché. Mmh. Tu sais, pour jouer avec Nick il faut que tu sois wise. Il faut que tu aies un hockey IQ. Sinon, il ne te trouvera pas, vous ne trouverez pas. Ça va faire mal. Puis il va te ça, ça parle avec le Bright. Oui. Mmh. Et bon. Oui. C'est pour ça que les gens tirent sur du bois, là. Parce qu'on est pressé. On veut faire vite. J'entends beaucoup depuis que Kofir a signer bon là on a notre noyau le bon, de son autour zéro noyau man t'en as pas là zéro 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 toi tu penses que euh, moi j'ai plus de, de, plus de questions sur Suzuki que sur Caulfield. Mm -hmm. euh, mais, mais Suzuki appelé Suzuki faire plus, est plus un gars de deuxième trio que Caulfield. Caulfield, lui il peut jouer il peut jouer sur un premier trio d'un paquet d'équipes parce que c'est un, un, un killer de, de c'est surtout un gars de première vague d'avantage numérique oui ça c'est clair oui c'est clair Suzuki, ben, regarde, c'est un, un super joueur de hockey, mais comme premier centre, et je l'imagine en finale c'est la même. Là. Ça, tu as la même réflexion que Régent Tremblay. Régent okay. Régent okay. ne euh, va pas du Suzuki en premier, mm. premier trio. Du tout, du tout, du tout. Ils en parlent depuis deux ans, quasiment. Mm, mm, Alors, mm, Régent, mm. il n'aime pas, euh, pas. Non, c'est pas qu'on aime pas Suzuki, un peu. C'est juste que. C'est des gros souliers. Si tu veux être une vraie bonne équipe, ça peut, tu peux pas être le premier joueur de centre de cette équipe-là. Si tu veux finir neuvième... Mm. Oui. Mais si tu veux finir cinquième, non. C'est sûr ce qu'on comprend? Oui. OK. Donc, il euh, Faut faire les playoffs. C'est huit premiers, c'est ça? Tu regardes les même 8 premiers. Mais tu sais, tu regardes de Vegas, là. T as Ikel au centre avec Marchesso. Ça, c'est plus là, le vlot ton duo de joueurs. Puis là, ils mettent Barbachev avec eux autres. Barbachev, là. Euh, Excuse, là, mais c'est pas un gros joueur. Tu regardes les statistiques de ce gars-là dans la Ligue nationale. C'est hum. plus, plus justement. Un gars de troisième trio, un peu remplisseux de gilet. Mais là, Barbachev, il est rendu comme la pierre angulaire de l'attaque la, de, de de, de ben, Parce qu'il joue deux joueurs. Ouais, mais t'as le neuf, c'est ton trio, t'as Heiko. Oui, c'est surprenant. Non, je sais. C'est Barbachev, c'est pas un gros joueur. Mais là, il est un gros joueur. Mais parce qu'il joue pas pas des bons joueurs. Joueur. Mais il a toujours été dominant, pareil. Puis il a mis ses mains sur le Trophée Saint-Louis. Un oui, junior majeur, t'as fort. C'est un bon. joueur d'archer, Oui, mais. Mais il y tu te prépares contre qui? Pas contre Barbachev Contre le neuf? Tu te prépares-tu contre Suzuki? Non. Alors, à, à, à ne comprends. pas endormir, là. Pense non, pas. Non, là. non, 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 non. premièrement, tu n'as aucune crainte de son échec avant. Il y a un bon bâton il n'y a pas à pas, qu'il coupe des passes. Mais t es, t es, tu peux dormir sur tes deux oreilles, derrière le filet, là. Tu dos à l'action, tu vas chercher le poc, là. Il va pas venir te geler, Non. et Jack, <laughs> il peut faire ça. Là. Oui, Jack, il peut. Ça se prend, ces gars-là. Je hey, trouve que je reviens. Je euh, vu qu'on ne t'a pas pu jaser depuis une couple de semaines, mm. euh, l'histoire des, des remparts, c'est une belle, belle histoire. Il semblerait, bon. euh, semblerait que c'est confirmé euh, mes informations mm. euh, non officielles. Mm -hmm. Donc, ça ne vient pas de Jacques, mais mm. de gens proches, peut-être, de Jacques. Euh, sans confirmer rien, ça semble être terminé pour Jacques. Okay. Donc, comme président bonnet, il faut que ça finisse. Hein? Le gars, il en a donné pas mal. Hein? Euh, il est prêt à aller euh, se reposer, jouer au golf en Floride avec sa blonde. Puis, euh, mais on ne sait pas comment est-ce il nous reste d'années dans notre vie. Hein. Il y a eu quand même une coupe de, couple de, de voilà. signaux. Puis, voilà. euh, on ne sait pas. Ensuite, donc là, Patrick, c'est sûr que non. Donc, Jacques, Patrick. Patrick, on ne sait même pas ce qui va arriver avec Patrick. On ne sait rien. Ça va probablement à finir à, Bo à Boynton Beach, à jouer au golf avec hey, Mario Tremblay, ce qui est quand même drôle. Souhaite, là. Là. Mmh. Avec Mario Tremblay, pensez à ça. Hey. Il va jouer au golf avec une gang de chums, Carbo, Mario, euh, Mario et euh, Patrick sur le même foursome oui. de golf. Très drôle. La, la vie est quand même surprenante. Vive euh, Uber. Mais euh, Simon a s'il n'y a pas de Jacques, si il n'y a pas de Patrick, Simon pas certain non plus. Non, Ça n'a pas certain non plus. C'est sa décision. S'il si prend, c'est lui. Oui. S'il si le prend pas, c'est quelqu'un d'autre. Oui. Et on exact. attend après Simon. Exact, on attend après Simon. <laughs> Donc, Ça là... va être tough des deux prochaines années, mais c'est peut-être une question de draft. Tu sais, le repêchage il y a trois ans. C'est là qu'a commencé à bâtir ce club-là. Oui. Une fois que les gars qui ont repêché il y a trois ans étaient bons comme ils pensaient, ils ont rajouté de la viande. Oui. Fait que le draft qu'on vient de connaître, c'est très important pour les remports. C'est drôle, okay. rôle là, les joueurs qui draftent. Des fois, il y en a qui ont l'air des intellectuels, ils a pas l'air des joueurs de hockey. Ah, tout, ça a changé par rapport à il mm, mm. y a 10, 15, 20, 25 ans. Ils n'ont pas l'air des joueurs de hockey, 0, 0, 0. 0. Mm, mm, mm. Euh, Patrick. Oui. Euh, what the fuck? Mm. Ben moi, moi, j'haillis tout de ce que je, de ce que j'entends depuis de, depuis qu'il est sorti de Colorado, dans le sens que. Ça fait pitié. Je ne vais pas voir Patrick Roy dans cet état-là. Lui, il est obligé d'être repenti pour rentrer dans la Ligue nationale. Ben, ça a aucun. Pour rentrer oh. dans le sac à coach, Jerry. Patrick Roy doit être repenti. Repenti est... de quoi? Dans quel monde ah. on vit, là? Tu sais, Babcock, ils vont revoir une job. Hein? Mm. Puis beaucoup de ces anciens joueurs l'ont traité de trou de cul. Comme... Moi, je suis qu de penser que Joanne Kelvin va avoir un job avant Patrick Roy. Ben oui! Il est dans le sac encore. Oui, le sac est fini. Il, il, et... il, il est comme en pénalité pour deux ans, trois ans, mais il va, il va rebondir, là. Le gardien, <laughs> je reviens pas, le gars a gagné 152 matchs en carrière en série. Ça ne sera jamais battu. Mais non. Qui 152, pense à ça, C'est des 4 de 7, man. Oui. 152 games. Pas joué, gagné. Gagné. Mmh. Ah non, non, c'est incroyable. Trois counts, mate. Eh. C'est juste, là, Femme écoute-les, c'est pas être d'accord. Mais je veux dire ce que ça, Simon dit à ses boys dans le hockey, la gang euh, qui joue euh, aux trois glaces euh, le jeudi. Belle gang. Euh, Simon dit qu'il n'a jamais, jamais vu un coach. Il a travaillé avec, il a travaillé avec Patrick l'année. Il dit J'aurais adoré jouer pour un coach comme Patrick Roy. Rien n'est laissé au hasard. Un gars qui travaille 12 heures par jour, 14 heures par jour. Toutes les détails sont là. Un des gars les plus préparés que j'ai jamais vu de, de l'histoire du hockey. C'est gros pour Simon. Il a vu une coupe. Il a gagné une hein? coupe. Pardon? Oui, il a vu il une il il que... coupe. Ouais, il a quand même gagné de Jack Adams, le meilleur coach de l'année. En plus, plus. rajoute ça. Moi, je ne comprends plus rien. C'est je... l'entraîneur qui a le plus de gains dans l'histoire de la LHGMQ. Oui. Et rajoute ça. là. Ça va prendre quoi? là? Combien de temps faut il faut qu'il s'excuse pour rentrer là-dedans? C'est pour ça que moi, ça m'écœure. Pourquoi lui, faut qu il faut qu'il fasse ça? Je sais pas. As tu fais la gang de clins -clin qui à cause que c'est un chum d'un chum il se monstreux, là les autres ils... Patrick quoi hein? t'as plus dire en français en anglais puis en un, espagnol il, il, il... je sais que Columbus est un beau club je sais que mais tu sais New York New York tu compétitionnes contre les Giants tu compétitionnes contre les Jets qui vont avoir mm. qui vont avoir euh, euh, Rogers comme corps bon peut-être que ça va être un désastre parce que tout ce que les Jets tournent ça, ça vient en désastre mais Anyway, t'as euh, la NBA. T'as tout, sacrément. Billy Joel est là, trois soirs soir, qu'elle se met oui, chanter oui. dans le building. <laughs> tu sais, je veux dire, tu te bats contre tout. Puis je sais que les Rangers ont une belle histoire, puis je sais qu'il y a une crowd, puis je sais que c'est un. Mais Chris, les... il me semble que les partisans oui. des Rangers qui viennent de se faire sortir, trop de bonheur pour le line-up qu'ils avaient, qu avait, mm -hmm. tout ce qui s'était fait promettre, mm -hmm. il me semble que t'amènes Patrick dans la grosse pomme. Tu ne pas faire autre chose qu'à fitter, puis d'être un. Ça fitte. Patrick fit pour ouais. être à New York. Mais si tu ne l'engages pas pour lui dire quoi faire. Il est là, le hic. Oui, je sais. C'est que les coachs sont là pour faire les choses comme le DG l'entend. Il a jamais fait ça. S'il n'était pas DG lui-même, il y avait un DG qui, qui l'écoutait. Dans l'hockey junior. Ouais. Quand son DG pro, qui a finalement eu raison parce qu'il a gagné la Coupe, il a arrêté de l'écouter, il a sacré son camp au mois d'août. Il faut encore qu'il s'excuse de tout ça, toutes ouais. ces années après. Ouais. C'est épouvantable. Les Rangers, le gros avantage, c'est que les Pierre-Luc Dubois, puis les Connor et le Buck, ils veulent y aller. Oui. c'est tout le monde veut jouer pour les Rangers. C'est Panarin s'est ramassé à la cause de ça. T'sais, oui. T'es sais, avait une clause non-échange, mais s'il propose New York, il, il va. va. Il oui. va. C'est plein de Patrick Kane. Il a choisi New York. Oui, exact. Il, est, pour moi, s'il si Roy là, il va être capable assez rapidement de rentrer joueur autonome qu'il veut. Oui. Parce qu'au moins, c'est New York. Oui. Mais ce club-là va changer de face, là. Patrick, il aimera pas un gars à cause que le DG, il dit aime-le. Oui. Il est là est... le bug. Ben, il... Le est bug ça. est plus là. C'est qui ton chum? C'est qui tes chums? C'est rendu ça. T'es-tu bon, ouais, bon. C'est qui tes chums? C'est plus important qu'elle est bon. Moi, je pensais que les DG étaient beaucoup plus partenaires avec le coach. On dit que dans NHL c'est. c'est drôle coach? de relation, ça. Tu ben, t'as ça à Montréal pour l'instant. Ouais. À un moment donné, les gens vont se fâcher contre Martin puis ils vont le sacrer dehors. Oui. Ça, c'est plate, mais ça va arriver, là. C'est clair. Ça va Mais lui, il va rester dans l'organisation, j'espère. trouver une job? Je n'ai pas fait 10 passes à la Il faut garder ce gars-là. Mais, Mais si, si tu as raison, ça devrait toujours être comme ça. Ben oui. Si le Canadien a fait une. Ça, c'est moi qui le pense. Là. Si le Canadien a fait une. C'est une erreur historique de ne pas avoir pris roi. Ben oui, c'est okay, ça. Pour le CH, c'est une erreur historique. Hum. Et là, la Ligue nationale va faire une erreur historique. Mais pour une énième fois, Jerry, ce pas la première fois. À chaque fois qu'un y a un gars saute, mais c'est souvent l'été. Non, mais là, ils il viennent mal... gagner en Coupe Memorial. Oui. Il même Bontier, l'an passé. Mais... Ouais, je sais. Patrick Roy, là. Je sais, je sais, je sais. Pourquoi ce serait mieux, là? Tu ah, de... 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 F... viens de le dire, tu sais, de ne pas savoir que Patrick Roy n'est pas que le Canadien de Montréal, là, là. Hum. Je veux dire, ça te montre oui. que cette organisation-là, c'est une organisation de marbre. Ben, regarde, garde, garde, garde. pourquoi ils font ça? On est, 13... on est le 12 juin. Oui, on parle d'eux autres. C'est ici, là, le problème. Ouais, mais on, si on de... arrêtait de. parler des autres. Ouais, mais on parle d'eux zo... autres ouais, de zo... pas. pas euh... en bien, parles en mal. Ouais, mais moi gars, je ne veux plus rien savoir. Moi, je débarquais. Oh, <laughs> moi, je suis débarqué. Non, débarqué... non, je débarqué officiellement. Moi, je suis débarqué. Ça, ça fait des années. Débarque pas. Tu T as commencé avec ça. Tu sur... débarques pas sur du bois. Tu es canadien. Non, oh, mais c'est parce que. Ouais, ouais, non, non, n'y a pas de parce que. Parce que, que non, on mais quand je parle pas, quand je fais de la radio, je prends des sujets que le monde parle. Je Je prends pas des sujets. Oui, t'as raison. Bon, t'as raison. Douze oui, je... il faut faire 27. On parle du Canadien. C'est ça le problème. Ouais mais. Ignore-les, puis roi, il va rentrer. Ouais. Ouais, on fasse de l'argent, les autres. Ils nous mettent n'importe qui sur la glace. Alex Belzil gagne le concours du plus rapide patineur. Là. Dans un, c'est plein dans la baraque. C'est arrivé cette année, ça. Ouais, je sais. Puis c'est plein. Oui. C'est ça le problème. Ben, je sais que c ça. Fait qu'on va arrêter d'y aller. Ils vont faire en sorte qu'on y aille. Mais ça, c'est en raison de, du déséquilibre du marché de Montréal. Dans un marché comme Montréal, habituellement, puis, regarde, Toronto s'en va là. À un moment donné, peut-être que Buffalo va traverser. Il y a un, quoi, il y a un nouveau stade de Buffalo, ça peut-être pas. Mais bof, euh, Toronto va avoir une équipe, à un moment donné, de la, de la NFL. Je pense. Bah, je sais pas. Je me semble que c'est -ce une mégapole. Oui. T'sais, Toronto est ben, une ont mégapole. Ce mais tu sais, je veux dire, à un moment donné, je pense que les, les Maple Leafs, c est, c est, le building est plein. Mais il y a quand même un peu de compétition avec euh, le baseball, puis avec la NBA, puis un paquet d'activités. C'est choqueux, mais tu te regardes la line-up, tu oh, un oui. hockey, là. T'es superstar de la Ligue. Ça te choke, mais c'est une équipe... Euh, c'est ouais, une vraie équipe. C'est ça. Oui, c'est une vraie équipe. Parce que Canadiens, c'est genre de... C'est le Radio X, il y a 20 ans, quasiment. C'est quasiment... C'est quasiment un super bon club de la Ligue américaine. Ok, tu parles comme rien. C'est quasiment un club de... <laughs> tu, sais, si tu te rappelles le Radio X dans, ouais, dans le temps, okay. on connaissait. Claude Morin, c'est la première ligne à Montréal. Oui, c'est ça. <laughs> exact, c'est quasiment une patente de même. Là. Tu dis, bon, vois, ils, sont, ils sont juste hmm. là pour, juste pour être là. là. Ils n'ont pas, ils, ils pas vraiment... À, ils ont pas, ça ne leur tente pas tant que ça. Mais mets-leur une équipe de, 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 de basket. mets -leur, une, le retour du baseball. Mets-leur une équipe collégiale Style euh, Ohio State, même là, une patente de même dans la place, et tu as chicané pour l'amateur qui, lui, a un nombre de dollars X pour son loisir. Mmh. Là, on parlerait d'autre chose, mais là, tu as un déséquilibre. La MLS va peut-être faire la job avec l'arrivée d'une coupe de gros joueurs. Donc, euh, mais encore là, on verra. Là. Mais tu sais, je veux dire, il n'y a pas de compétition dans cette Christine marché-là. Il est là le bug. Nous autres, on est comme esclaves d'un seul sport. Il... Les gens, ils vont. Ah, oh, ils sont pas bons, mais ben Ouais, bière baissé. Au lieu de 250, c'est 125, moi y aller. Donc, la place est pleine, donc personne, personne. C'est ça qui est triste. Bah, ça. Ils vont se battre pour que ça reste de même, là. Ils ne vont pas ouvrir les portes de la métropole. C'est quoi que la, la NHL doit faire pour justement contrer euh, la montée en flèche de la MLS sur dans, dans le marché nord-américain, le hockey il se prend une, une place pas pire, oui. ça, va, ça va de mieux en mieux. Puis des gens sont comme bizarres envers, euh, envers le, 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 le patron de la ligue qui, est, voyons, me, me s'appelle Batman. Alors que Batman, je pense que tous les propriétaires sont hyper contents. Il y a une équipe à Ottawa qui va se vendre un milliard, je vois le verre. Hey, hein, C'est un peu spécial. C'était 150 je... à Seattle, ça se peut-tu? Ouais, ouais, ouais. Moi, je veux voir le chèque, par exemple. 650? Okay, moi, que... moi, je veux voir le chèque. Là. Ok, t'es pas sûr du 650. Si un consortium m'achète ça un milliard, ils sont fouettes. Voyons, hein? Un milliard ouais. <laughs> Il y a une histoire de terrain et de bâtir des maisons, là, dans okay, la patente. Là, okay, mais okay, quand okay. même, il y a un milliard qui va être donné à un ça propriétaire d'équipe de, de hockey. Là. Ça fait plus compter que moi. là. Mais c'est un marché qui est à jamais. Ils feront jamais une scène avec ça. Là. Mais c'est à jamais cocu entre Toronto et Montréal là. Oui. À jamais. à jamais jamais. Tu et... joues contre le Canadien, le building est rouge. Tant mieux. Tu joues <laughs> il y, au... y a du monde au moins. Tu joues contre Toronto, le building est bleu. Oui. C'est ça tout le temps. Là. Il y a des rideaux d'infos en haut. Il y a souvent des rideaux. C'est incroyable. Ah ouais, c'est Un, un milliard. C'est un crédit drôle de marché. Mais tant mieux pour la NHL. Parce que Mais là, les as, dollars, c'est le Messi tôt, qui, qui, qui vient d'arriver. Il y en aura une couple d'autres qui arrivent aussi. Euh, là, les, ça... billets, les billets à 60$, on dit à 400$. 29$ à 400$. Apple, Apple il y a de l'argent qui sort par les oreilles. les autres, l'autre Apple. La MLS, ils vont, euh, vont tout prendre ça à grand Ils n'ont pas, ou... hein. ouais. pas payé ça cher. Ils n'ont pas payé ça cher. Ils s'amènent dans NFL, les autres. Là. Ouais. Pas pour rien que le dernier show de la mi-temps était commandité par, non pas Pepsi, mais à... Apple. Ils veulent diffuser la de la NFL. Ah, T'es-tu sérieux? Bah ben oui, ils sont là-dedans. Là. Arrête! Ben, Amazon nous a fait. Oui. Ouais. C'est ça qu'ils veulent. Là. Ouais. Ils rentrent, ils commencent à faire de la télé sportive, tranquillement, pas vite. Et, et dans le live là, de la télé maintenant, c'est le sport qui est payant. Oui. Puis quand, elle, quand un, un roi meurt, là. ou une reine. Oui, c'est ça. ça c'est payant. Ça. Ouais. Mm -hmm. Mais est-ce que tu penses que la NHL capote un peu de voir ce qui se passe avec la MLS, ou bien, ils ne suis pas trop nerveux? Ben, C'est pas, pas vraiment le même marché qui vise. C'est Parce vraiment. que là, déjà, juste avec l'arrivée de Messi, les, le, la, la valeur de la Ligue avec tous les commanditaires qui sont comme arrivés cette semaine, mm. là, on est déjà né à né cette semaine, en l'espace d'une semaine oui. avec la NHL. Mm. Quand même spécial, là. Oui. Un, un nom qui arrive, un nom, bang. Tu vas me dire que. Tu sais, quand Apple a signé, moi, j'ai l'impression qu'Apple savait déjà que Messi s'en venait. Là. Ça, ça, preuve, ça ressemble à ça. La preuve, c'est que dans le deal, Messi va toucher une partie des profits de Apple. Oui. Donc, il y a une ouais. histoire là-dedans. Là. Ça a jasé l'an en plein PSG, d'où il arrive Messi. Oui. Qu'il ne serait pas là cette année. Là. Peu importe ce qui arrive à la Copa del Mundo, il gagne avec Argentina, c'est capoté. Yes. Non, non. Il s'en allait soit en Arabie saoudite ou il arrive à Miami. C'est mmh. ça, c'est ouais. ça. Puis, et puis à Miami, il y a déjà des restaurants qui vendaient des pâtes Messi, des burgers Messi. C'est bien avec Miami. Oui, c'est ça. Oui. Capoté, les autres. Des gilets roses. Ben, on il y a, a avoir beaucoup, beaucoup d'Argentins à Miami. Énormément. Beaucoup d'Argentins. Puis n'importe qui qui est hispanophone, il est très attaché à Lionel Messi. Hein. Oui. C'était le meilleur joueur de soccer longtemps, là, ouais. avec Ronaldo. Et aussi, ce que Jerry dit souvent, c'est son côté très terre à terre, sa vie un peu moins flashy que Ronaldo, mm. euh, très terre à terre sa blonde qui est avec de, euh, ben, je pense mm. qu'ils qui sortent ensemble ils il y a deux. ans, mm. ça, Ils sont ensemble depuis toujours. Les mm. bébés mm. puis euh, les les dents, les bébés, ça. les filles, les ça, regarde, c'est c'est le gars c'est un modèle. c'est le rejet fédérateur du soccer C'est ça. Mm. Ouais. Mm. ouais. Ouais. Marc ça m'a ça. Ben oui. Payant oh. ces gars-là, très payant parce que tout le monde veut se coller après. Là, tu fais quoi cet été là euh... Beaucoup de pêche. Oui, beaucoup de pêche. parle Moi juste vite de même avant de partir, ton frère ton frère a une les, les, les propriétaires de pourvoiries avec les histoires de feu, puis la peur qui a été mise dans, dans la place, on sait comment faire maintenant. Pour les autres qui ont eu la COVID, ça a été fermé. Le tourisme, ça a été difficile, ouais. sacrament. Ils peuvent tu se faire frapper plus que ça. Là? Il y a une semaine, ça faisait cinq jours, quatre jours qui étaient ouverts, mon frère. Il a évacué 77 personnes. Puis ça commence à rentrer aujourd'hui. Ça commence. Oui. Fait que là, il a perdu des gros revenus de pêche de juin parce qu'en juin, la pêche se vend plus cher. Oui. L'eau est plus froide, le poisson commence à être actif, personne n'a pêché le lac. Non. C'est une pêche garantie. Euh, il me dit que peut-être, lui, il n'a rien demandé, mais peut-être qu'il y aura une compensation pour les pertes okay. de ces gens-là qui ont été fermés. Mais tu ne seras jamais compensé de tes gains potentiels. Mmh. Ils ne vont pas te rembourser Alors ton que tes gains sont faits en juin. Ben, entre autres. Ah, bah, est bah, es est il est ouvert là. trois mois, là. On dit que, que c'est au Thanksgiving, entre Noël et Thanksgiving, que les magasins font le profit. Vous autres, en tout cas, les pourvoiries, c'est vraiment là, là. En juin, que ce soit la truite, le doré, tu changes le prix que tu veux. Le gars, il va y aller. Est-ce que lui, il était proche des feux? Mm, pas vraiment. En plus. Ça, ouais. c'est frustrant pour lui. Ouais. Lui, il avait la carte d'où les feux étaient. Il y en avait en tabarouette. Là. Ouais. La boréale, là, ça, ça toast. Là. Ça, ça prend rien. Tu sais, des vieilles bouteilles de vite ouais. qui sont dans le bois depuis je sais pas combien d'années parce que les gens, ils pétaient ça, ils laissaient ça là. Juste des rayons de soleil, longtemps là, au travers de tout ça, dans le lichen et dans les racines, ça peut pogner. Ben Un oui. euh, déchet il y a 25 ans. ouais imagine les botches de cloches. Oui, une, une vieille bouteille la de la pepsi foudre. Il n'y a pas d'eau. Traverse le parc. Le lac, genre quartier, il est bas. Il est bas. Toutes les criques que tu croises, là, en prenant ben, le grand parc et le petit parc, c'est quasiment à sec. On est en juin, c'est des scènes de la fin du mois d'août. Oui. On est pogné que ça de été, là. Il ne mouillera jamais assez pour que les terrains soient assez humides, tu sais, pour. Compenser pour les accidents. Non, parce que, parce que là, instant, Si, quand il mouille, il ne veut pas, ça, ça, ça s'en va rapidement parce que là, il va faire. Ça bouille, ça bouille, ça bouille. Il va faire plus chaud, donc ça sèche. Tout, tout sèche plus, plus rapidement. C'est une forêt qui est faite pour être une swamp. Oui. Quand qu elle sèche, c'est un danger incroyable. C'est un gros danger. Mais oui, au moins, Ils vont avoir des beaux bleuets à des places dans deux ans. Oui, ça, c'est clair. Ah, Ils il être... <laughs> il vont avoir des il beaux bleuets. Ils vont avoir des bleuets. Bonne chance à ton frère, en tout cas. Puis à tous les gars, je sais qu'il y a des priates qui ont des, des pourvoiries. Regardez, vous n'avez pas besoin d'être ça. 0-0-0-0, c'est l'enfer. Là, ça va, en espérant que ça va se calmer. On prévoit un peu de. Ben, pas mal de pluie. Euh, vous avez vu hier la pluie à Toronto, là, à la fin du golf, pluie, cette pluie-là s'en vient vers nous autres. Mm. Donc, c'est une grosse masse, euh, quasiment pour deux jours. Euh, quasiment 20-25 mm de pluie. Comme euh, Vinny vient de dire. Ça ne veut pas dire que ça va, ça va compenser pour euh, le manque de pluie qu'on a eu, mais mieux vaut ça qu'une qu claque gueule, Donc, ça s'en vient euh, dans les 48 prochaines heures. Je suis sûr que de Nick Taylor. Euh, oui, j'ai parlé de Nick. Ah, oh, man. As-tu vu Adam Madwin? le chanteur. Non, non, c'est l'enfer. J'ai jamais vu un linebacker remonter ah, oui. un gars de même. C'est fou. Mais comment ça se fait pour ne pas le reconnaître? C'est quand même un des meilleurs au Canada. Là. Oui. C'est le chum de la. parce qui... que les gars t'habillent en hoodie. Oui. Il y a des calottes un peu de travers. Oui, tout, mais... là, les... <laughs> Je pense qu'il a réalisé tout de suite après le bonhomme. Mais t'as tu vu comment il est tombé? Oui. ce qui est arrivé? Il a sauvé le champagne. Oui. Il a manqué de se blesser l'épaule. Oui. Parce qu'il a pris le temps de mettre son pouce dans le goulot. Oui. Pour ne pas briser la bouteille pendant qu'il se faisait geler. Oh oui, c'est l'enfer. On prend le roulé de 72 Jerry pieds. Jerry dit que moi, tes chandon, on doit faire une campagne ah, de Ah, Ben peu oui, ben oui. Risque sûr. ta vie, mais pas une gorgée de ça. Voilà. Ah, Il ouais. y, y, y a une pub là-dedans. Il oh, y a sûr. une belle pub là. C'est hey, C'était drôle ça. Hey, thank you, man. C'est un, yep. un petit 30 minutes de fun. Regarde, euh, je, je viens de voir le timing. Je me sens que quand on jase avec Vinny, on a oui. l'impression de jaser plus de 10 minutes. Ça fait une demi-heure qu'on jase. On n'a pas trop de misère à, à jaser de sport. Toujours le fun. Thank you, man. On t'écoute sur Énergie, mon ami. Puis, euh, nous autres, on est parti, Jerry. Yes. Bon, on va voir l'arpenteur, donc... Euh, OK. Les dollars sortent. Ah oh oui, les dollars. Ça, ça va vite, ça va vite. Ça sort, ça sort, ça sort, ça sort. See you, my friend. Hey, merci à Mr. White. Merci euh, à Yann Sénéchal également. Puis, on se parle demain pour un autre Radio Pirate Live. L'été s'en vient, les amis. Ne perdez pas patience.